Alors, si tous les élus voulaient bien s'asseoir, on a sans doute déjà atteint le quorum et on va pouvoir commencer notre séance. La classe. Bien, si les élus voulaient bien prendre place, nous pourrions commencer notre séance. Je pense que le quorum est d'ores et déjà atteint. Alors, si chacun veut bien s'asseoir. Alors, merci à chacune et à chacun de s'asseoir. Bonsoir à toutes et à tous. On a un ordre du jour qui est relativement chargé, donc je vous propose qu'on commence immédiatement à l'étudier. Cela dit, avant ça, je voulais d'abord souhaiter la bienvenue à France Granier, qui est donc née le 3 mai dernier. C'est pour ça que vous n'étiez pas présent à notre dernière séance du conseil d'arrondissement. Vous souhaitez à vous, mais aussi à sa mère. J'espère que tout se passe bien pour vous, mais aussi pour sa mère, hein, parce que ça, elle a largement contribué à la réalisation. Et lui souhaiter surtout tous mes voeux de bonheur. Je vous propose ensuite que nous désignions comme secrétaire de séance Gilles Ménède. Pas de difficultés, je vous en remercie. Il n'aura échappé à personne que nous avons vécu un premier épisode de grand show il y a quelques jours à Paris. On ne va pas faire un point global sur l'ensemble des mesures liées à la canicule aujourd'hui, mais cela dit, je voulais peut-être proposer à Anne-Claire Boux de nous faire un petit point sur les éléments d'actualité. Vous verrez qu'on s'est dit qu'on allait en profiter pour remettre aux élus ce qu'on n'a jamais fait, les gourdes de la mairie du 18e, ce qui vous permet de rester hydraté sans consommer des bouteilles en plastique, ce qui est quand même intéressant. Anne-Claire Boux. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Chers collègues, nous savons maintenant... la communauté scientifique, les différents rapports du GIEC, nous savons à quel point l'urgence climatique est importante et à quel point les dérèglements en cours sont rapides, même plus rapides que ce que nous indiquent les nombreuses études. Cette augmentation de température ne va pas être seulement une augmentation de température, mais s'accompagnera d'une plus grande récurrence des événements climatiques extrêmes. Et c'est ce qu'on a commencé à vivre la semaine dernière avec un épisode de canicule. Et on l'a vu à Biarritz, un record de canicule absolu depuis la période où on fait des mesures de température. Nous avons vécu cet épisode de canicule à Paris, avec la chance que pour celui-ci, on avait des températures qui diminuaient la nuit, mais ce qui nous attend pour la suite, c'est des épisodes de canicule où nous n'aurons pas cette chance que les températures diminuent la nuit. Alors, la ville de Paris anticipe dès maintenant et a mis en place un plan d'alerte canicule qui permet, dans ces événements caniculaires, de pouvoir mettre en place des mesures d'urgence, c'est-à-dire l'ouverture des parcs et jardins 24 heures sur 24, le renforcement des maraudes pour les personnes qui sont à la rue avec la distribution de gourdes, l'augmentation des horaires des piscines et des bains-douches, mais aussi la mobilisation du 3975 pour venir en aide aux personnes qui seraient en difficulté face à cet épisode de canicule, notamment, je pense, aux personnes âgées. En parallèle, un plan rafraîchissement a été lancé avec la multiplication des points d'eau potable et notamment les nouvelles fontaines avec des brumisateurs, des jets d'eau intégrés et aussi
une attention particulière aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent utiliser ces fontaines. L'objectif est d'installer une centaine de fontaines en plus d'ici 2024. C'est aussi un réseau de 600 commerçants restaurateurs qui a été mis en place où il est maintenant possible de remplir sa gourde. Donc les élus du 18e pourront remplir leur gourde dans ce réseau de restaurateurs pour lequel vous pouvez trouver les adresses sur le site de paris.fr. C'est aussi l'installation d'ombrières, mais au-delà de tout ça, c'est une vision court terme et long terme qui est mise en place notamment par mes collègues Antoine Dupont avec la transformation de l'espace public et l'augmentation de la végétalisation de pleine terre, mais aussi avec mon collègue Gilles Ménède avec la plantation de centaines d'arbres, on l'espère, sous cette mandature. C'est toute une équipe qui est mobilisée pour que Paris s'adapte au changement climatique et nous avons besoin de le faire rapidement car les enjeux devant nous sont très importants et j'aurai, en tant qu'adjointe à la politique de la ville, une pensée aussi pour les habitants des quartiers populaires qui sont les premiers touchés par l'urgence climatique et qui subissent une inégalité de plus face à ce changement climatique. Et là encore, le souhait de l'exécutif de prioriser la transition écologique dans les quartiers populaires de la ville de Paris pour que chacun et chacune puisse se prémunir du changement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments d'information. Évidemment, on va continuer à suivre de très près l'ensemble de ces questions, aussi bien sur le plan structurel, mais aussi conjoncturellement, et notamment cet été, au moment où la canicule risque d'arriver, en mettant en œuvre tous les plans qui sont d'ores et déjà en place. Mais je pensais que c'était utile qu'on puisse commencer par un point sur ce sujet de lourde actualité. Et je vous en remercie. J'en viens à l'ordre du jour de notre séance, en commençant par l'approbation du compte rendu de la séance du Conseil du 23 mai qui n'a pas fait l'objet d'inscription. La délibération est donc adoptée à l'unanimité. De la même façon, le budget supplémentaire de 2022 et les modifications d'un certain nombre de sièges de conseillers d'arrondissement dans les instances du 18e n'ont pas fait l'objet d'inscription. Les deux délibérations sont adoptées. De la même façon, l'avenant numéro 1 à la convention avec Photomaton relative à l'occupation du domaine public est adopté. Et j'en viens aux délibérations concernant la parentalité. Les deux délibérations DFPE 81 et 132 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. Les délibérations DJS 83 qui portent sur des subventions et des conventions avec des associations de jeunesse. De la même façon, la DGS 84 avec des associations de jeunesse et les... Et la DGS 85, je vais y arriver, avec pareil des associations de jeunesse sont adoptées. Je vous en remercie. On en vient aux affaires scolaires. La DASCO 29 n'a pas fait d'objet d'inscription, elle est adoptée. Et j'en viens à la DASCO 53, subvention d'investissement à 43 collèges au titre du budget participatif des collèges édition 21-22. La parole est à Rudolf Granier. Merci Monsieur le maire et merci pour vos mots en introduction de conseil d'arrondissement. Tout le monde va très bien à la maison. Nous nous interrogeons sur cette modalité de choix et d'arbitrage pour des dépenses d'investissement dans les collèges. Et bon, on comprend bien qu'il y a des projets pédagogiques qui doivent être validés, soumis, exécutés. Mais j'ai l'impression que ces investissements rentrent dans le cadre de projets pédagogiques et que l'arbitrage n'est pas effectué par quiconque de la communauté pédagogique, professeur essentiellement, instituteur, mais par les élèves eux-mêmes, avec un mode de sélection qui nous paraît, comme d'habitude, toujours un petit peu dévoyé, à savoir le vote. Donc, je ne sais pas si tout pourrait être fait avec des budgets plus importants au sein des établissements qui sont concernés, ou si tout ne peut pas être fait finalement, mais vous soumettez à arbitrage les élèves eux-mêmes avec peut-être une influence des professeurs ou que sais-je encore. Donc ça relève de la même chose que le budget participatif dans son acceptation globale, et nous aurions souhaité, en fonction de la réponse, déterminer un vote et avoir donc de plus amples explications. Je vous remercie. Merci beaucoup, et pour vous donner ces explications supplémentaires, la parole est à Karine Roland. Merci Monsieur le maire, merci Monsieur Granier. Alors, le budget participatif des collèges existe depuis 2016 maintenant. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais en tout cas, il est établi en étroite collaboration avec les établissements.
C'est-à-dire que les collèges eux-mêmes, les équipes pédagogiques dans leur ensemble, enseignantes, administratives, font des propositions. Et il s'agit en l'occurrence des mieux placés pour savoir ce qui pourrait prendre place dans ces établissements. Donc cela part d'eux, c'est soumis à la ville. Ensuite, les projets font l'objet de commissions de recevabilité, exactement comme pour les autres projets du budget participatif. Puis, les élèves votent. Je voudrais juste préciser que ces crédits viennent en plus de tout ce qui est réalisé dans les écoles. Donc, on n'est pas sur un principe de subsidiarité. Dans le 18e, chaque année, ce sont quelques 2 millions, 2 à 3 millions d'investissements qui sont réalisés dans les 11 collèges de l'arrondissement, un montant tout à fait stable au cours des années. Et les projets qui sont proposés ici sont des projets d'amélioration du cadre de vie qui, en insistant sur les actions en faveur du climat, et nous venons d'en parler à l'occasion de cette première canicule, qui, via des actions citoyennes pour inscrire davantage le collège dans la vie du quartier, pour inscrire les collèges dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Voilà trois nouvelles thématiques qui ont été proposées sur 2021-2022. Les collèges du 18e qui ont été lauréats s'inscrivaient sur la troisième thématique, justement, les JOP 2024. Et ce dispositif-là, donc tel que je viens de vous le décrire, tout à fait pensé avec l'ensemble des équipes pédagogiques et concerté avec les élèves qui émettent leur vote, est aussi une manière de sensibiliser très concrètement les jeunes habitants de Paris à la citoyenneté pour faire en sorte que demain, ils soient des citoyens et des votants engagés. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vais donc soumettre aux voix la DASCO 53 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. La DASCO 54 qui nous invite à subventionner pour 30 000 euros et signer des conventions avec les PEP 75 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. De la même façon, la DASCO 57, les DASCO 37 et 51 concernant des conventions relatives à l'organisation de la restauration scolaire dans les collèges et dans les collèges sont également adoptées. De la même façon, les délibérations DAE2, conventions et subventions à 15 organismes portant des projets économiques en faveur des circuits courts est adoptée. Et je vais mettre aux voix la délibération DEV42, subvention à 8 associations et un organisme pour leur action d'accompagnement et de sensibilisation à une alimentation durable. Et je la soumets au vote parce que Léa Balage El-Mariki a indiqué qu'elle ne participait pas au vote. Et donc comme Antonin Dupont a son pouvoir, il faut que je la soumette au vote. Donc qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Si vous permettez, monsieur le maire, soit j'ai effectué une lecture beaucoup trop rapide, mais je n'ai pas trouvé d'association qui intervenait dans le 18e arrondissement sur quelle association aurait une action plus étendue que l'arrondissement dans lequel elle est inscrite. Alors, ce n'est pas du tout elle, c'est un membre de sa famille qui est dans des associations. Je ne parlais pas de notre collègue, pardon. Ah, pardon. Je disais qu'au sein de cette délibération, je n'avais pas trouvé d'association ou domicilié ou avec une intervention particulière dans le 18e arrondissement. Et du coup, je m'interrogeais du passage ici, ou alors je me doute qu'il y a une association qui a une action plus large que l'arrondissement dans lequel elle est domiciliée, mais je n'ai pas trouvé laquelle. Alors honnêtement, Léa étant absente, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais on vous répondra d'ici la fin du conseil. Et en attendant, elle est adoptée et je vous en remercie. La délib DEF52 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée. De la même façon, la DAC32 est adoptée et on en vient à la délibération DAC42 qui nous invite à subventionner pour 20 000 euros et à signer une convention avec l'association bien connue du 18e Graine de Soleil. Et la parole est à Victoria Barrigan, qui est peut-être arrivée. Qui vient juste d'arriver. On peut te laisser 2 minutes pour te poser. Non, t'es prête? Bonsoir, désolée pour mon retard. Merci. Oui, j'ai souhaité donc intervenir au nom du groupe Écologiste de Paris à l'occasion de cette délibération pour renouveler notre soutien à l'association Graines de Soleil, puisque comme vous le savez, le groupe Écologiste de Paris soutient depuis des années la sauvegarde du LMP et associé au maintien évidemment de l'association Graines de Soleil qui fait vivre ces lieux depuis 2014 contre vents et marées, si je peux me permettre, puisque la compagnie a fait face à une demande
de rachat de la part d'un promoteur immobilier et ce lieu culturel unique était voué à disparaître. À la suite de notre mobilisation et de la mobilisation de Graines de Soleil qui a su faire vivre ce lieu, nous nous sommes réjouis de la décision qui est intervenue de finalement préempter le bâtiment et de sauvegarder ce théâtre, intégrant la création de nouveaux logements sociaux. Et vous y avez, je le sais, largement participé, même très, très activement, puisque grâce notamment à Karine Roland et à Yann Brossa, nous avons pu mener à bien ce projet de préemption. Cette compagnie, en effet, depuis 2014, a su perpétuer et développer les missions et l'identité d'un théâtre au cœur de la Goutte d'Or en participant à l'émergence de nouveaux artistes, mêlant les disciplines, les cultures, en tissant des partenariats étroits avec les acteurs locaux, mais également avec un rayonnement international. Aussi, l'action de l'association Graines de Soleil au sein du lavoir moderne parisien nous semble tout à fait pertinente et essentielle, tant du point de vue de la politique culturelle de Paris et de l'arrondissement, mais aussi celle en direction des quartiers politiques de la ville. Aussi, et a fortiori dans la sortie d'un contexte sanitaire extrêmement compliqué, nous souhaitons renouveler le soutien et le maintien de l'association Graines de Soleil jusque au terme de son bail, et d'en assurer la jouissance paisible et pérenne à la suite, jusqu'au terme de son contrat de bail, de sorte à ce qu'elle puisse effectivement exploiter le lieu un peu paisiblement après des années de bataille juridique contre l'ancien propriétaire. Je suis, et nous sommes, en tant qu'élus écologistes, largement convaincu que nous partageons cette ambition commune d'une culture pour tous et pour toutes ancrée dans les quartiers populaires. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vous répondre. La parole est à Violaine Trajan. Oui, merci Victoria d'intervenir sur cette délibération. Effectivement, on a très à cœur de soutenir la compagnie Graines de Soleil, et c'était une bonne nouvelle en 2020 quand on a appris effectivement la préemption du bâtiment dans lequel se trouve le LMP, et afin de préserver l'existence d'un lieu de culture dans ce quartier. Et la gestion pour cela a été confiée au bailleur HSF, qui doit procéder à des travaux de réhabilitation, comme vous l'avez évoqué, sur l'ensemble de l'immeuble, tout en préservant la salle de théâtre. En attendant le démarrage de ces travaux, l'association poursuit son travail d'accompagnement, et nous sommes d'ailleurs, nous en profitons pour saluer leur action culturelle dans le quartier. Un travail d'accompagnement d'émergence, vous l'avez dit, des écritures de nouvelles, d'ancrage territorial. Et en 2022, la programmation a mis notamment en avant la création africaine et nord-africaine, avec un cycle dédié à l'Algérie en février, avec l'organisation du festival Paris-Mamako en mars, offrant une belle visibilité à des artistes de diverses disciplines et originaires de la capitale malienne. Ce festival a donné à des représentations gratuites hors les murs. Nous y avons d'ailleurs participé, assisté, et c'est remarquable. Je salue aussi l'équipe qui participe toujours aux réunions que nous mettons en place du réseau culturel. D'ailleurs, la prochaine réunion a lieu à la Halle Saint-Pierre, qui nous permettra aussi de travailler sur la feuille de route, les éléments de bilan concernant le projet à venir. Effectivement, il faut avancer, et tu l'as rappelé, le bailleur HSF a hérité d'un contentieux juridique, et donc pour en sortir et pour avancer et lancer la procédure et enfin voir ce lieu effectivement aboutir, l'objectif était
de pouvoir se mettre d'accord entre le LMP, la ville, le bailleur et les graines de soleil. Ils s'étaient d'ailleurs mis d'accord sur la sortie d'un contentieux pour effectivement un désistement mutuel par rapport au contentieux, ce qui permettrait de mettre en place un appel à manifestation d'intérêt pour procéder effectivement, respecter la procédure de mise en de se désengager, d'être désengagé du bail qui le retenait actuellement. Donc c'est une procédure que l'on suit et on souhaite vraiment tous autour de cette table qu'elle soit lancée pour que le projet sorte comme nous l'avions indiqué au début de la mandature. Maintenant, on va parler de 2023, mais c'était 2022. Donc voilà, de se mettre tous autour de la table pour que le projet sorte et qu'on soit maintenu cet espace culturel auquel on tient tous. Merci beaucoup, Violaine. Je vais donc mettre aux voix cette délibération. Avant de le faire, je voulais redire, comme Victoria et comme Violaine, à quel point on est attaché à ce lieu et saluer, comme Victoria l'a fait, et Karine Roland dans ses anciennes fonctions auprès de moi et dans ses nouvelles fonctions auprès de la maire de Paris, et Yann Brossat et Emmanuel Grégoire qui nous ont permis, avec bien sûr l'arbitrage positif de la maire de Paris, de préempter ce lieu. Depuis, comme vous l'avez l'une et l'autre décrite, une procédure a lieu. Moi, je crois qu'il est indispensable que nous veillions à ne pas fragiliser cette procédure. Il faut qu'elle se déroule dans le respect de l'ensemble des règles de droit. Sinon, le risque, c'est qu'on mette en difficulté les futurs occupants de ce site. Donc, je pense qu'il faut que chacun, sur ce sujet-là, mais comme l'a très bien dit Violaine, puisse y être attentif. Moi, je suis très conscient et très reconnaissant à l'association Graines de Soleil du travail qu'ils font depuis longtemps. Je pense que c'est une structure importante. Et pour autant, y compris parce que c'est important pour eux, je crois qu'il faut veiller à surtout ne pas fragiliser la démarche dans laquelle nous sommes aujourd'hui engagés. Ce que nous ne ferons pas du tout, au contraire, en votant cette subvention qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec le débat sur l'avenir, qui a beaucoup à voir sur le sujet actuel. Et donc, je vais soumettre aux voix la DAC 42 qui est pour unanimité. Je vous en remercie. On en vient à une subvention et un avenant à convention avec la société Madeline. La parole est à Rudolf Granier, puis Mme Siafa. Merci, Monsieur le maire. Nous avons considéré, et c'était déjà le cas dans un précédent conseil d'arrondissement, que la part de la ville était très importante pour voir que la gestion est confiée à une ESS et dont l'objet social doit correspondre au programme qui lui permet de parvenir à un but, à savoir des bénéfices. Et en regardant le détail de cette délibération et de la subvention, on réalise que 93% du produit relève de la subvention. Donc nous avions déjà alerté sur cette situation et souhaiterions avoir quelques éclairages. En comparaison, même les théâtres municipaux qui sont très aidés ont une proportion qui est bien plus importante de ressources liées à une activité artistique et commerciale. Donc si vous pouviez nous aider une nouvelle fois à lever cette interrogation, nous pourrions déterminer notre vote. Merci. Merci. Mme Siafa et Violaine Trajan pourra donner des éléments de réponse. Merci Monsieur le maire de me donner la parole sur cette délibération concernant la structure Madeleine qui gère notamment le centre FGO et les trois Baudets. Au lieu culturel parisien, dont je ne rappellerai pas l'histoire, mais lorsque l'on passe par le cabinet pour rentrer dans cette salle, on voit cette grande affiche, notamment avec Georges Brassens. Je tiens à saluer le travail de proximité, notamment du FGO Barbara, depuis son ouverture, notamment sur le quartier, qui a fait défaut durant des années, mais qui aujourd'hui est un pont qui est créé, notamment entre la bibliothèque, les écoles, les associations de quartier, sur divers événements tout au long de l'année. Je pourrais citer le partenariat avec le collège Daniel Meyer, ou le partenariat avec l'école primaire Richaum, ou le partenariat avec Home Sweet Home, les repas de quartier, le partenariat avec l'APHP, notamment l'hôpital de la Rivoisière qui est juste en face, le partenariat avec l'association Stand Up et toutes les différentes associations, tous les différents événements qui sont faits au sein de cette enceinte. Et on a pu, nous, dernièrement, monsieur le maire, faire une réunion avec des habitants qui, auparavant, ne mettaient jamais les pieds dans ces lieux culturels. Et pour nous, c'est extrêmement important de soutenir cette structure. Donc je vous invite, chers collègues, tous à voter cette délibération. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Violaine Trajan. Je remercie mon collègue pour tout ce propos élogieux, effectivement.
rappeler les deux lieux gérés par la société Magline, à savoir les Trois Baudets et Fleury-Gouder-Barbara, qui sont des partenaires précieux effectivement pour faire vivre l'action culturelle, pour accueillir des jeunes artistes en résidence, pour leur offrir une scène et pour effectivement tisser des partenariats avec les nombreux acteurs du quartier de la Goutte d'Or, mais pas que, bien au-delà. Donc juste effectivement pour rappeler, l'organisme prévoit de mettre en œuvre tous les moyens et la ville soutient effectivement soutient effectivement leur action pour accueillir les répétitions, les enregistrements, les résidences de création, les concerts, les spectacles d'artistes francophones, de musiciens et de groupes de musique actuelle, recevoir les artistes de pratiques artistiques animées par des associations locales, ça c'est précieux, on l'entend, les lieux culturels de répétition, de promotion manquent, donc c'est toujours bien d'avoir de pouvoir compter sur ces deux lieux. Les Trois Baudets et le centre FGO Barbara. Créer des synergies avec les acteurs locaux, mon voisin l'a rappelé, nationaux aussi de la production, et vous dire que chaque année, une programmation hors les murs est présentée, notamment aux arènes de Montmartre, aussi sur l'église du Parvis Saint-Bernard. Cette année, ils souhaitent investir le Square Léon via l'appel à projet Olympia Culturel. L'embauche récente d'une personne en charge du lien avec le territoire, ça c'est aussi bénéfique pour faire connaître la programmation culturelle et toutes les actions qui y sont menées. L'équipe investit dans l'amélioration aussi de l'espace public à la Goutte d'Or, effectivement les projets passerelles avec la bibliothèque et la salle Saint-Bruno, notamment pour embellir Paris, et nous avons avec Antoine Dupont et Fanny Bénard aussi eu des réunions ensemble pour essayer d'améliorer cette petite placette. Donc des projets qui sont en cours de réflexion, participer aussi aux événements du quartier comme la fête de la Goutte d'Or, Magic Barbès, et puis tout ce soutien précieux aux artistes via des projets de résidence artistique, ça c'est indispensable, de location de studios, de répétition à des tarifs attractifs. Alors voilà, c'est un investissement et on est très fiers à la ville de Paris dans le 18e d'avoir un tel lieu et de le soutenir en conséquence. Donc je remercie d'ailleurs l'équipe qui, toujours joyeux et avec beaucoup de bonne humeur, gère ces deux équipements et qui ont dû affronter des difficultés liées aux grèves, des transports, à l'occupation d'espaces publics par les mineurs et isolés pour le FGO Barbara. On a eu des réunions à répétition d'ailleurs avec Kevin Avet, et d'ailleurs je le dis souvent, c'était une de nos premières réunions quand nous avons été élus en juillet 2020. Nous sommes direct allés au sein de ces équipements pour rencontrer les équipes. Des équipements qui font partie de ceux qui ont su immédiatement réinventer leurs pratiques en proposant des spectacles en ligne. Et c'est vrai que le festival Ici et Demain a été incroyablement suivi pendant la crise Covid. Et c'était bénéfique pour déjà les artistes qui ont pu, via des captations, se produire et être vus et donc découverts par leur public. Je pourrais continuer encore longtemps, mais monsieur le maire va me dire que j'ai atteint mon temps de parole. Donc voilà, j'espère que vous allez tous et toutes voter pour cette intervention. Effectivement, juste, j'ai oublié la récente rénovation de l'espace mezzanine aux Trois Baudets. Je vous invite tous à y aller, c'est très, très sympathique. Je vous remercie. Merci pour tous ces éléments. Moi, je dois dire que je me suis interrogé au moment où nous avons pris la décision de lier les Trois Baudets et Barbara Fleury-Gouder d'Or. Et je pense que le bilan qu'on peut tirer de cette décision est vraiment très positif. Les deux lieux publics qui permettent à chacun d'accéder à la culture, l'un avec sa dimension historique dont parlait notamment Mme Sieffa, et l'autre beaucoup plus contemporain avec l'arrivée de Barbara Fleury-Gouder d'Or il y a quelques années, se nourrissent l'un l'autre et permettent d'avoir une programmation qui est vraiment très intéressante. Puis, et donc, je me réjouis bien sûr que nous puissions soutenir et continuer de soutenir la société Madeleine pour lui permettre la gestion de ces deux lieux. C'est vrai que la subvention aujourd'hui représente une part très conséquente des ressources de la structure. C'est le résultat
de la crise qu'ont connue l'ensemble des lieux culturels qui ont quand même été amenés à fermer pendant très longtemps et dont l'activité n'est pas toujours si facile que ça à reprendre. Mais on n'a pas compensé, on a maintenu notre soutien, ce qui nous permet de garantir à ces deux lieux culturels du 18e de continuer à exister. Si nous ne votions pas ces subventions, eh bien les deux lieux seraient amenés à fermer. Bien sûr que comme tous les lieux culturels, ils travaillent, et Violaine Trajan l'a très bien démontré, à agrandir leurs ressources, à avoir une billetterie très dense, très active. Mais on ne peut pas oublier le contexte, et notamment le contexte extrêmement défavorable, et ça continue un peu dans le domaine des musiques actuelles, c'est les structures culturelles qui ont eu le plus de mal à traverser la crise et le plus de mal à s'en remettre. Et donc je crois que c'est justement le moment où jamais de beaucoup les soutenir, même si en réalité on n'augmente pas le soutien. C'est la part des ressources extérieures qui baisse, qui explique cette différence de proportion, qui pour moi n'est pas du tout un problème, mais qui s'explique de façon bien légitime. Et je dois dire que pour avoir été récemment aux Trois Baudets et à Fleury-Goutte d'Or Barbara, je vois à quel point les équipes sont mobilisées pour faire ce qui leur tient le plus à cœur, c'est-à-dire faire venir le public dans ces lieux culturels. Et donc, ils ont besoin de nous, peut-être plus qu'avant, même si on n'augmente pas la subvention, mais peut-être plus qu'avant, pour vivre. Voilà pourquoi je vous invite à voter la DAC 141, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous avons ensuite une série de subventions dans le domaine de la culture qui n'ont pas fait l'objet d'inscription. Je vais donc les citer et vous m'alerter s'il y a autre chose que des votes unanimes. Donc la DAC 179 pour la Cité internationale des arts, la DAC 182... Monsieur Granier. Je me déporte étant membre du conseil d'administration de la Halle Saint-Pierre. Et on est plusieurs dans ce cas-là. Oui, oui. Alors, je recommence. Donc, fondation de la CIA, unanimité. Je vais mettre aux voix la subvention à la Halle Saint-Pierre. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Je vous en remercie. On en vient à l'Institut des cultures d'Islam. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui ne participe pas au vote ? Et Anne-Claire. Alors j'explique pour le public qui ne le saurait pas, il y a des nouvelles règles qui exigent, imposent, conditionnent le fait que les membres des conseils d'administration des différentes structures subventionnées, qui pourtant sont membres du conseil d'administration parce qu'ils sont élus, ne participent pas au vote des délibérations pour lesquelles ils ont été élus. Enfin bon, c'est une règle que nous appliquons comme toutes les règles. On en vient au bal, donc subvention de 230 000 euros pour le bal, qui est pour... qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, adopté. On en vient à l'association MU, même vote, DAC 200... Oui, allez-y. Abstention sur la DAC 193, convention avec l'association MU. On en vient à la DAC 201, pas d'inscription, unanimité. La DAC 207, pas de difficulté, unanimité. La DAC 272 pour Art Exprime, unanimité. La DAC 309... pour 10 écoles de musique à Paris, pas de difficulté, unanimité. La DAC 589, le temps des rues, pas de difficulté, unanimité. Une subvention de 10 000 euros à 3 associations au titre de l'action culturelle locale, DAC 595, unanimité. Et la DAC 633, convention d'occupation du domaine public avec l'association La Halle Saint-Pierre pour les locaux situés au Dur rue Ronsard, qui est pour... qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée et je vous en remercie. On en vient aux délibérations qui concernent le commerce. La première délibération, la DAE 21, n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. La DAE 30... Oui. Vous permettez, monsieur le maire, peut-être qu'on va... Je ne vais pas manifester à chaque fois puisque je transmets les positions de vote à la fin du conseil d'arrondissement à l'administration. Bah, dites-nous quand même, parce que comme ça on sait. Oui, alors le résultat sera le même. Mais, bah, on n'intervient pas à chaque fois qu'on a un vote, abstention ou contre. Bon, alors je vais faire lever les mains, comme ça chacun les voit. Et c'est plus simple. Donc, DAX 21, fixation des tarifs forfaitaires d'occupation événementielle du domaine public pour les marchés couverts, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La DAE 39 pour le marché opus Clignancourt Django Reinhardt, appropriation du principe de renouvellement de la DSP, qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La DAE 52, 14 associations dans le domaine du design, de la mode et des métiers d'art, qui est pour, unanimité. Et j'en viens à la DAE 121 qui concerne l'association Aurore. La parole est à Thierry Caillet.
Je profite de cette délibre qui m'est chère pour l'action déployée près des Bifins pour revenir sur la question des vendeurs à la sauvette, en particulier les sans-papiers. Suite au rapport parlementaire sur la contrefaçon fait par M. Bournazel, nous lui avions demandé d'intervenir à l'Assemblée nationale pour donner un droit de travail aux sans-papiers durant le temps de leur régularisation, ou pas, comme le pratiquent certains pays européens. Faute de résultats, j'en appelle aux groupes de droite si sensibles aux questions dites sécuritaires selon eux, de tout faire près de leur groupe parlementaire pour faire acter ce droit et libérer ainsi la police d'une tâche qui n'est pas la sienne pour mieux recentrer sur ce qui relève de ses fonctions, pour mieux la recentrer, excusez-moi. Je rappelle que la société a besoin de ses travailleurs dans des activités qui nous manquent cruellement, les EHPAD, l'agriculture, métiers de bouche, du bâtiment, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour vous répondre, la parole est à Pierre-Yves Arnaud. Alors moi, je vais m'exprimer surtout sur le carré des Bifins. Effectivement, le carré des Bifins, c'est une expérience que nous avons depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Une expérience forte qui a permis effectivement de sortir de la sauvette plusieurs centaines de personnes dans nos arrondissements. Effectivement, on voit qu'une approche sociale, qu'une approche effectivement par le commerce, par l'insertion professionnelle est la meilleure voie de sortie par rapport à la sauvette. Et donc c'est pour ça que nous continuons notre action volontariste sur le sujet effectivement du carré des Bifins. D'ailleurs, nous allons, et c'est le cadre de cette subvention ici, justement poursuivre notre action et là faire la jonction pour les mois qui viennent pour la station Aurore, jusqu'à ce que le nouvel appel à projet puisse donner ses fruits. Et donc voilà, nous continuons à maintenir le cadre dans le 18e arrondissement d'un travail qualitatif, collectif, et en tirant vers l'eau effectivement aussi cette économie de gens qui n'ont pas de moyens. Et donc nous, effectivement, nous sommes pour les intégrer socialement et leur donner les moyens de mieux vivre. Merci beaucoup. C'est un sujet central, évidemment, que celui de la sauvette dans les 18e. Et je partage cette idée qu'il faut qu'on prenne des initiatives pour traiter ce problème, cette question, à la bonne échelle. On y avait beaucoup travaillé, notamment avec Gérald Briand, ces deux dernières mandatures. Et on continue avec Pierre Yvin parce que c'est à la fois un sujet d'action sociale, mais c'est aussi, c'est vrai, un sujet de gestion d'espaces commerciaux de fait. Et on voit bien que la situation dans laquelle on est aujourd'hui n'est satisfaisante pour personne, même si on a beaucoup progressé grâce dans les 8e, grâce au carré des Bifins. Je vais donc mettre aux voix la DAE 121, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. La DAE 124, activité commerciale sur des emplacements durables du domaine public, qui est pour, unanimité, elle est adoptée, je vous en remercie. Je mets aux voix la délibération DAE 122, qui porte subvention pour l'association Ensemble Paris Emploi Compétences pour le projet Aller vers l'emploi dans les quartiers, qui est pour, unanimité, je vous en remercie. Nous devons aussi procéder à la validation des inscriptions des associations auprès de la Maison de la vie associative et citoyenne. Et je vais donc la mettre aux voix, qui est pour, unanimité, elle est adoptée, je vous en remercie. Nous en venons aux délibérations concernant le budget participatif. La première délibération concerne, la DAC 208 concerne une subvention et une convention avec l'article Le Cyclope, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. J'en viens à la DAC 209, subvention de 15 000 euros à l'association Collectif Curie Vavard. Et la parole est à M. Christian Honoré. Ah, intervention retirée, donc je la mets aux voix, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. Et nous en venons à la DAE 7, budget participatif, subvention et convention avec 14 structures de l'ESS, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Nous en arrivons aux délibérations concernant la politique de la ville. La première subvention, la DDCT 48, n'a pas fait l'objet d'inscription, qui est pour, unanimité. La DDCT 58, soutien au réseau de familles monoparentales dans les quartiers populaires, qui est pour, unanimité. La DDCT 68, soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires dans le cadre de conventions pluriannuelles d'objectifs, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. On en vient à la DDCT 70, qui concerne l'appel à projet parcours linguistique à visée professionnelle, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. La DDCT 72 concerne des subventions de fonctionnement à 257 associations pour le financement de 392 projets dans les QVP. C'est la deuxième enveloppe de la politique de la ville, qui est pour,
Contre, abstention, elle est adoptée. Et j'en viens à une subvention de 100 000 euros à 8 associations pour leurs actions visant à favoriser la participation des habitants dans le cadre de l'édition 2023 du budget participatif. La parole est à Rudolf Granier. Merci Monsieur le Maire. Alors, je ne suis pas administrateur de la salle Saint-Bruno, par contre Eric se déporte sur... depuis ce soir. Oui, depuis ce soir d'ailleurs, puisque la salle Saint-Bruno est évoquée dans cette délibération. Et nous avons une proposition d'intervention qui vise pour cette association à informer sur le budget participatif pour accompagner l'émergence et la recevabilité de projets issus des quartiers populaires et de soutenir les habitants. Donc en fait, on subventionne une association pour aider à toucher des subventions. Donc moi, je trouve très intéressant de toujours engager à plus de citoyenneté, plus de participation à la vie de la cité. Donc, mais quand on le met en parallèle de vos appels, la plupart du temps compliqués, et que je respecte à venir tenir des bureaux de vote, à trouver des assesseurs, je ne sais pas combien de personnes se sont proposées d'elles-mêmes pour tenir les bureaux de vote lors des précédentes élections, puisque un des objets essentiels de ces associations est de renouer le lien civique avec les institutions et la politique. Donc, soit vos appels ne fonctionnent pas et ça serait un échec de ce type d'objectif, et il faudra en tirer les conséquences en revoyant les méthodes, ou je ne sais pas, on peut y travailler ensemble, ou alors d'arrêter de verser des subventions pour renouer le lien civique avec les institutions et politiques, puisque une des expressions les plus simples qu'on pourrait trouver, c'est de venir aider à tenir un bureau de vote à des assesseurs ou scrutateurs le soir, et ça ne fonctionne absolument pas. Je vous remercie. Merci. Maya Kari. D'accord, merci Monsieur le Maire. Monsieur Granier n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, nos dispositifs de droit commun ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait, et c'est pour ça que la politique de la ville existe. C'est-à-dire que le jour où toutes les politiques de droit commun, qu'elles soient d'État ou des collectivités locales, fonctionneront normalement et sauront mettre en place des communications et des stratégies adaptées aux quartiers populaires, la politique de la ville n'existerait pas et ce serait une bonne nouvelle. Or, nous ne sommes pas encore dans cette situation-là et nous sommes obligés de financer des dispositifs intermédiaires dont l'objectif est de prendre le relais du droit commun. La salle Saint-Bruno est une association qui a une ingénierie et un savoir-faire exceptionnel qu'il n'y a nulle part ailleurs en France. Voilà, je suis chauvine, mais je crois que c'est la réalité. Et nous faisons appel à ce savoir-faire pour pouvoir faire une politique d'aller vers qui, il est vrai, nous ne savons pas encore faire complètement dans toutes nos directions. Et j'espère que dans 10 ans, 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, toutes les directions de la ville, de l'État, de la région, de l'Europe, sauront faire aussi bien que la salle Saint-Bruno pour toucher les habitants et arriver à les embarquer sur des dispositifs de droit commun comme le budget participatif. Ceci dit, le budget participatif, on peut dire, a presque commencé dans les quartiers populaires. C'est vraiment une expérience qui avait été menée dans plein de pays et tout, mais nous, en France, on avait commencé à faire des budgets participatifs dans les quartiers et ça marchait pas mal, voilà, et ça a été élargi à tout Paris. Voilà. Mais on a besoin de savoir-faire pour aider les habitants à monter leurs projets. Merci, Monsieur le Maire. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DDCT 77 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée, je vous en remercie. Et je laisse tout de suite la parole à Sylvie Poulidot concernant la délibération DDCT 78. C'est moi. Bonjour à tous. C'est juste pour souligner que sur ce projet, vous savez qu'il y a un contrat qui a été signé à partir de mai 2018 sur Paris bien dans son assiette, où on a parlé d'alimentation durable dans les quartiers populaires. L'alimentation durable et de qualité, elle n'est pas faite uniquement pour les bobos, elle est faite aussi pour les quartiers populaires. Donc, je souligne qu'il y a deux associations dans le 18e qui s'occupent de, justement, d'initier la... j'ai perdu mes notes, attendez, j'arrive.
voilà, d'initier, si vous voulez, l'apprentissage de la nourriture équilibrée, surtout équilibrée, et de qualité, et aussi la diminution des déchets. Donc, je souligne le collectif Café Culture Cuisine, c'est-à-dire les 4C à la Goutte d'Or, et aussi le Petit Nez. Alors, il y a deux actions à l'heure actuelle. Il y a une action de nutrition, c'est-à-dire une orientation sur la nutrition, et il y a aussi une action sur la réinsertion par le groupe, par la commune, la cuisine commune, c'est-à-dire aussi comment faire des courses, etc. C'est complètement bête, mais il y a, quand on est complètement décalé dans la société et qu'on est isolé, bah parfois ne serait-ce que faire des courses, réapprendre à cuisiner, réapprendre à faire de l'équilibre aussi au niveau de la cuisine, réapprendre à faire de la cuisine de qualité, c'est important. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie, et j'ajoute une dimension dans l'action de ce qu'on appelait à l'époque le collectif 4C, qui est la mise à disposition de cuisine pour les familles qui sont à l'hôtel, qui ne disposent pas d'outils pour cuisiner. Donc c'est une des premières, je crois, sous le contrôle de Pierre-Yves Arnaud et Maya Carrie, un des premiers lieux qui permet aux familles qui sont hébergées à l'hôtel d'avoir accès à une cuisine et donc à pouvoir cuisiner, notamment pour les enfants. Maya Carrie. Alors merci Sylvie de prendre la parole et de t'exprimer sur cette délibération importante, parce que c'est un sujet d'avenir, c'est un sujet essentiel. Et alors, tu évoquais deux associations. Il faut rappeler qu'il y a aussi la Corvée à la porte d'Aubervilliers qui est installée aussi pour avancer sur ce sujet-là, que les centres sociaux également travaillent sur ces sujets-là. Et Anne-Claire et Éric Lejoindre se rappellent du concours de cuisine organisé par le centre Rosa Parks il y a un an et demi. Il y avait la Corvée d'ailleurs, et où on travaille sur les menus, sur la qualité alimentaire, etc. Et puis ne pas oublier la charrette des quatre saisons. Et nous avons aussi le Petit Nez à une cuisine mobile. Également, ils travaillent sur la récupération des déchets, sur les recettes, sur bien manger, manger des légumes, des fruits. Mais en tout cas, le travail est bien engagé dans le 18e, même si on a encore une grande marge de progrès. Voilà, mais on peut dire que quasi tous nos quartiers sont concernés par ce sujet-là, que nous avons des acteurs bien implantés dans tous nos quartiers, et j'espère qu'on va continuer à avancer. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais donc mettre aux voix la délibération DDCT 78, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Puisque nous sommes revenus dans le sujet de l'alimentation, j'en profite pour répondre à la question qui nous était posée sur la délibération, sur ces mêmes questions il y a quelques instants. Et donc, les deux associations pour lesquelles le 18e est concerné, c'est une association qui s'appelle l'École Comestible, qui va dans les écoles justement et qui intervient auprès des élèves sur les notions d'alimentation. Et l'autre association, c'est l'association La Dune, qui organise le défi foyer à alimentation positive. Peut-être certains se rappellent de cette action qui permet d'aller au-devant des familles et de travailler avec elles pour leur permettre, un peu ce que disait d'ailleurs Sylvie, de faire en sorte de constater qu'on peut réduire le coût de son alimentation tout en améliorant la qualité des produits que l'on mange et l'équilibre de l'alimentation. Donc c'est les deux structures qui concernaient plus directement le 18e. Et donc j'en viens à la délibération DDCT 79 sur les ressourceries, qui est pour unanimité. Elle est adoptée, je vous en remercie. Nous en avons fini avec les délibérations concernant la politique de la ville pour ce soir. On en vient aux délibérations qui concernent le sport. La première délibération concerne une subvention à 18 associations sportives, la DGS 18, qui est pour. Oui, allez-y. Excusez-moi, la DGS 21 a changé de rapporteur, c'est ça? J'ai vu passer tout à l'heure un mail, je n'ai pas regardé dans le détail. C'est même tout à l'heure. Absolument. D'accord. Ben, c'est la suivante. Donc, Sylvie, tu pourrais éteindre le micro, ça a l'air sain. Merci. Donc, DGS 18, subvention à 18 assos, qui est pour ? Unanimité. On en vient à la DGS 21, qui concerne 25 associations proposant des activités sportives dans les quartiers politiques de la ville, qui est pour ?
Allez-y. À ce titre-là, non, les documents en annexe étaient parfaitement illisibles. Alors, il n'y avait que 25 associations, mais il y a des documents qui ne sont pas du tout à jour, qui datent de 2020 sur des budgets, non pas de l'année précédente ou de l'année en cours. Et il y avait très peu de rattachements spécifiquement sur cette délibération. Je pense que ça relève d'erreurs matérielles, mais qui ne nous permettent pas foncièrement de délibérer avec un jugement éclairé. Merci. Merci. Donc, on va regarder ça pour vous donner les éléments les plus à jour possibles d'ici le Conseil de Paris. Et en attendant, je vous propose que nous votions la DGS 21, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DGS 30 concerne les subventions et conventions avec les OMS. La parole est à Mme Siafa. Merci, Monsieur le maire. Je tenais à rappeler le travail notamment des OMS, en particulier l'OMS du 18e arrondissement, pour son travail effectué auprès des différentes structures sportives. Et notamment, on le voit chaque année avec sa collaboration avec les Foulées du Tertre et tous les autres événements qui ont pu être menés sur notre arrondissement. C'est pourquoi je tiens à féliciter notamment Maurice Pichevitch, son président, pour tout le travail effectué sur l'ensemble du territoire. Et il est là, et il ne lâche pas, et nous le soutenons totalement. Merci. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'évoquer, non pas le président, mais sa famille dans quelques instants. Et je veux évidemment m'associer à ces félicitations. Donc, je mets aux voix la DGS 30 qui est pour. La DGS 30, c'est les OMS. Unanimité, c'est bien ce que je pensais. Je vous en remercie. On en vient à une délibération qui concerne la dénomination de l'aréna Porte de la Chapelle. Je vais laisser la parole d'abord à Barbara Gomez, puis à Thierry Caillé, puis à Yodele Ikwesan, et ensuite on passe en boîte. Barbara Gomez. Oui. Alors, je vais être rapide parce qu'effectivement, le groupe communiste s'est déjà exprimé à de multiples reprises et tout le monde connaît ici notre position sur ce qu'on appelle le naming. C'est assez classique. Par principe, effectivement, le groupe communiste regrette le fait que l'État recule de plus en plus dans l'investissement des infrastructures publiques, d'ailleurs dans les services publics de manière générale, et qu'on soit effectivement obligé de recourir à des financements privés et en contrepartie de ces financements privés, d'avoir des grandes entreprises qui se servent de nos infrastructures comme de grands panneaux publicitaires. Mais c'est pas que de cela dont il s'agit aujourd'hui, on le sait tous, on en a beaucoup parlé. La future Arena, c'est un grand projet pour Paris, pour le 18e arrondissement en particulier, pour le nord-est parisien. C'est un projet de rééquilibrage, parce qu'on sait très bien que la plupart des infrastructures sportives sont dans le sud-ouest parisien aujourd'hui. C'est une mesure donc de justice sociale aussi, de rétablir ce grand type d'infrastructure dans les quartiers les plus populaires. Ça va participer effectivement au renouveau et au rayonnement du nord de Paris et de la Chapelle en particulier. Et donc, évidemment, ce n'est pas juste une infrastructure. C'est quelque chose qui va entrer dans notre patrimoine culturel, ce sera un repère pour la population, et ça veut dire que c'est éminemment symbolique. Et la symbolique ici, elle est un peu triste. On parle ici d'un naming qui se fait à l'exclusion du coup du nom d'une pionnière qui s'appelle Alice Mia. On en a beaucoup parlé aussi, le groupe communiste, et je pense à Nicolas Bonnet en premier lieu, il était très attaché au fait que le nom de cette infrastructure soit le nom d'une femme, une femme qui a été pionnière dans le sport féminin, qui a permis effectivement l'organisation des premiers Jeux olympiques féminins, et ça aurait été, me semble-t-il, complètement normal, et ça aurait été lui rendre justice de... que la première infrastructure sportive au monde qui porte le nom d'une femme soit celui d'Alice Mia. Donc vraiment, il est regrettable qu'aujourd'hui, Adidas, pour nommer l'entreprise concernée, refuse aussi de ne serait-ce que partager cette tête d'affiche et que finalement la visibilité et le combat des femmes au travers des siècles extrêmement dur pour réussir à être visible dans leur combat recule face effectivement à des j'essaie de trouver un terme plutôt juste, mais à des considérations financières qui malheureusement ne devraient pas être par ailleurs de notre responsabilité. Je vous remercie.
Merci. La parole est maintenant, j'ai perdu ma liste, à Thierry Caillet. Ce lieu d'un nom d'une sportive. Hélas, il est proposé un autre choix. Choix financier, contraire à nos valeurs politiques et philosophiques. Un stade, un équipement, c'est aussi un lieu d'éducation populaire. Nous voulons donner un autre horizon à nos enfants que celui de l'appel à la consommation et plus largement de la marchandisation de notre monde qui mène à sa perte. Voilà, j'irai pas plus loin, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Merci beaucoup. La parole est à Ayodele Ikwesan. Merci, monsieur le maire. Juste pour rebondir, effectivement, Alice Mia, ça a été une pionnière du sport féminin. Et j'ai fait partie, du coup, de ce groupe de travail qui a permis son entrée au comité olympique, du coup, l'année dernière, le 8 mars 2021. Je pense que ce qui est important, en tout cas, c'est effectivement, on aurait aimé que l'aréna s'appelle Alice Mia, mais néanmoins, on aura une délibération plus tard qui pourra aussi lui rendre justice. Et je pense qu'Alice Mia, son combat essentiel, c'était aussi de faire en sorte que les femmes puissent faire du sport. Et notamment, dans cette délibération, Adidas va financer à 180 000 euros par an un fonds de dotation qui permettra justement de développer le sport dans nos territoires et justement le sport féminin. Et je pense que c'est important aussi d'insister sur ce point de vue et que dans cette situation, Adidas n'est pas contre le sport féminin et ce n'est pas un débat justement sur le financement. En tout cas, je suis rassurée de voir que vous allez être nombreux aussi à nous soutenir pour qu'on ait plus de financement public pour le sport, parce que c'est effectivement ça le problème. Mais je pense qu'il ne faut pas... il faut remettre aussi les choses dans son contexte. Adidas, là, effectivement, a fait partie de cette opération, va permettre de développer le sport féminin, et Alice Mia aura donc aussi une dénomination pour faire en sorte que l'on puisse aussi mieux connaître son histoire. Je pense que c'est important et que ça contribuera à mieux connaître son histoire et en tout cas développer le sport féminin qui en a beaucoup besoin. C'est quand même, on a besoin de moyens, on a besoin de médiatisation, on a besoin d'énormément de choses, et je pense que dans la situation où on est, on ne peut pas se priver de cet investissement-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération? Sinon, je dirais un mot. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Je voudrais dire un mot, mais dans la logique de ce que vient de dire Ayodele Ikwesan. D'abord, on n'oublie pas Alice Mia, puisqu'on lui propose un des plus grands espaces publics du 18e en face de l'aréna. Et puis, on n'oublie pas les sportifs. Sportifs professionnels qui ont chacun et chacune un lien avec des entreprises. Il n'y a pas de sportifs individuels ou d'équipes d'ailleurs qui ne soient pas financés par notamment des marques de sport. Et surtout, on n'oublie pas le sport de proximité, puisque vous l'avez chacune et chacun vu dans cette délibération. Non seulement la marque qui est pressentie propose un financement assez conséquent qui nous permettra d'ouvrir l'aréna plus largement qu'elle ne le serait, et il propose surtout un niveau de subventionnement annuel très important à destination de structures sportives du 18e. Et c'est un des enjeux centraux, non seulement de cette délibération, mais plus largement de l'arrivée de l'aréna. Parce que l'aréna, ça ne doit pas être seulement un espace sportif à destination des grands événements ou des grands spectacles, c'est aussi un équipement qui doit, tout au long de sa vie, avoir un impact positif sur le territoire. Et cette délibération nous donne des clés, nous donne des éléments supplémentaires pour qu'elle puisse avoir un impact positif sur le territoire. Alors après, il y a des positions tout à fait habituelles, j'ai envie de dire, et respectables sur le principe même du naming. Moi, je voudrais donner deux éléments d'appréciation personnelle. Sans doute que dans un monde idéal, on préférerait tous pouvoir s'en passer. Enfin, c'est dans un moment budgétairement compliqué pour la ville et pour toutes les collectivités locales en réalité, un petit peu étonnant d'imaginer s'asseoir sur une ressource supplémentaire très importante. Pour l'aréna, d'ailleurs, comme pour le sport de proximité. Et puis, ce n'est pas nous ici, autour de cette table, qui définissons les taux d'imposition des entreprises. Ça, c'est ailleurs que ça se joue. Par contre, on peut bénéficier d'argent de la part d'entreprises qui vont être reversées au sport de proximité. Moi, je ne dis pas que c'est bien que telle ou telle entreprise fasse tel ou tel niveau de bénéfice.
Je constate que c'est mieux quand ces bénéfices sont un petit peu réduits pour venir dans les poches des structures du 18e que quand c'est pour enrichir, je ne sais pas qui d'ailleurs, les actionnaires ou autres. Et donc je pense qu'il serait dommage de perdre cette ressource, à la fois pour nous dans le 18e, aussi bien pour la gestion du grand équipement que pour le sport de proximité. Et très honnêtement, il serait un petit peu dommage pour la collectivité qu'on propose que l'argent qui est prévu pour l'aréna et pour les clubs sportifs du 18e aille plutôt dans les poches, enfin dans les poches, dans la structure de l'entreprise ou dans d'autres d'entre lieux, plutôt que chez nous. Ce n'est pas de l'argent en plus pour d'autres, c'est de l'argent en plus pour nous que nous n'aurons pas si cette délibération n'est pas votée. Donc, je vais la mettre maintenant aux voix. Je vais vous demander de bien lever les mains pour qu'on soit bien sûr, parce que tout ça est toujours un peu compliqué. Alors, qui est pour la délibération? Qui est... C'est bon? Parce qu'en plus, il y a les pouvoirs, tout ça. Alors là. Qui est contre? On est bon? Normalement, elle est adoptée. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Enfin, abstention, ne participe pas au vote. C'est pareil. Attendez, est-ce qu'il y a les pouvoirs? Vingt voix pour, 19 voix contre, 4 abstentions, elle est adoptée. Et je vous en remercie. On en vient à la délibération SG 48 qui concerne la convention entre la ville de Paris et la FFB dans le cadre du programme de transformation olympique. SG 48 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. On en vient aux délibérations qui concernent la petite enfance. La DFPE 7, la subvention à l'araignée gentille, qui est pour... Oui. Les 8 prochaines délibérations, nous sommes pour. Donc si ça peut être l'objet d'une unanimité... Non, parce qu'il y en a une où on va intervenir. Donc la DFPE 7, DFPE 55, DFPE 75 et DFPE 88 sont adoptées à l'unanimité. Et je laisse la parole à Gérald Briand concernant la DFPE 103, subvention à l'association Gad Menahem. Oui, donc c'est une intervention relativement classique pour les anciens qui me connaissent. Donc je vais faire très rapide. Donc évidemment, nous avons depuis longtemps un débat avec la question, donc on a affaire à une crèche communautaire, et notamment avec la question du peuplement, en l'occurrence de la composition des berceaux. Donc c'est pour ça que nous nous abstenons, fidèles à nos principes républicains. Merci. Merci. Pour le groupe communiste, hein, bien sûr. J'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Sinon, la parole est à Victoria Barrigan. Merci Gérald pour ton intervention. Comme tu le sais, déjà en tant qu'adjointe à la petite enfance, mais aussi élue écologiste, on a à cœur de... On porte une attention, en tout cas toute particulière, à ce type d'établissement. C'est des établissements qui disposent de subventions, hein, une convention pluriannuelle, donc de 3 ans. Là, l'objet de la délibération, c'est effectivement le montant de la subvention pour l'année à venir, qui, au total, et juste pour avoir un ordre d'idée, hein, en termes de chiffres, puisque c'est une délibération financière, j'entends que ton intervention est évidemment politique, mais j'y viendrai ensuite. Donc juste pour avoir en tête les chiffres, là la subvention donc, qui concerne l'établissement du 18e arrondissement de Paris, en fait 2 établissements, c'est une crèche collective avec 100 berceaux et un jardin d'enfants avec 80 places. Au total, la subvention de la mairie s'élève à 2 500 € par an par berceau. Donc juste faut avoir un peu l'enveloppe, enfin
voilà l'image globale de cette subvention qui correspond à peine 10% du fonctionnement de l'association. Mais je voulais juste refaire un point financier parce que je pense que c'est important quand même de l'avoir en tête puisque c'est une association qui est effectivement financée à 10% par la ville de Paris, par les produits, enfin les sommes versées par les familles et également par la CAF à hauteur d'environ 20%. Concernant effectivement le... on va dire la convention qui nous lie à cet établissement. Dans la convention, il est indiqué que cet établissement s'engage à participer à la commission d'attribution organisée par la mairie d'arrondissement. C'est une association qui est en lien avec les services de la mairie et que nous allons voir régulièrement, on va dire annuellement. Je ne vais pas non plus les voir tous les mois. Donc voilà, on est en lien avec cette association. On suit également les services de la mairie, que je salue pour leur travail exceptionnel qu'ils font dans le cadre de l'attribution des places en crèche, ainsi que les services des partenariats de la DFPE, qui suit de façon très étroite l'ensemble des établissements associatifs qui sont subventionnés par la ville, en ce compris, évidemment, les établissements Gadmenaem. Je vous remercie. Merci beaucoup, Victoria. C'est un sujet qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années. Et j'en profite pour saluer aussi Violaine Trajan, qui a, avant Victoria Barrigan, fait ce travail et permis une évolution, je pense, que chacun constate positive de cette structure associative. Je vais donc mettre aux voix la délibération DFPE 103, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous en remercie. On en vient à la DFPE 115 pour l'association Auteuil Petite Enfance pour le multi-accueil situé 5 Terres rue Jean Cotin, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adoptée. On en vient à la DFPE 128 qui concerne le financement des LAEP avec la CAF, pas de difficulté, d'unanimité, et la subvention à l'association Le Dauphin Bleu pour deux établissements d'accueil, unanimité, je vous en remercie. Nous atteignons maintenant les délibérations concernant les sujets de solidarité. Et donc la DSOL 20 concerne des subventions et des avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs avec les gestionnaires de 30 centres sociaux et socioculturels pour Paris, qui est pour, unanimité. La DSOL 24 concerne le financement des espaces solidarité insertion, même vote. La DSOL 29 concerne des subventionnements à 7 organismes pour mettre en œuvre des actions visant à l'insertion par le logement, l'accès au droit, la prévention des expulsions locatives, unanimité. La DSOL 6 nous invite à subventionner des associations type Restaurant du Cœur, l'un et l'autre, la Chorba et Notre-Dame de Tanger pour leur action d'aide alimentaire. Pas de difficulté, unanimité, et je vous en remercie. Enfin, la DSOL 57 concerne le conventionnement et la subvention de 4 organismes pour la gestion de 2 centres d'hébergement, d'une maraude et d'un accueil de jour. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. Nous en venons aux délibérations qui concernent le handicap. La DSOL 26 nous invite à subventionner 10 associations pour leur action culturelle en direction des personnes en situation de handicap. Pas de difficulté, unanimité. Et je laisse tout de suite la parole à Antoine Dupont concernant la DSOL 27, moi parisien du handicap. Merci monsieur le maire, mon intervention va être très courte. Je voulais, par cette délibération, rappeler quelques chiffres qui sont extrêmement importants à notre sens. En France, on a une personne sur 6 qui est atteinte de handicap, c'est plus de 12 millions de personnes. Le handicap n'est pas forcément celui qu'on croit, le handicap n'est pas forcément de naissance, le handicap arrive aussi avec des accidents du travail, des accidents de la vie. Beaucoup d'handicaps sont invisibles, des surdités, des problèmes de vue. Deux chiffres sont assez marquants à notre sens, c'est que le taux de chômage des personnes en situation de handicap en France atteint près de 20%, soit le double de la moyenne française, et qu'il y a 2 millions de personnes en situation de handicap qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. C'est dire l'action que doit mener le gouvernement sur ce sujet, sur le mandat qui vient de démarrer. Et je finirai par souligner l'intérêt du mois parisien du handicap sur lequel Nadia Benakli a travaillé, ainsi que Mam Yafa, pardon, et je les en remercie. Merci beaucoup, Nadia Benakli. Merci monsieur le maire, merci Antoine. Je dirais aussi qu'on devient, au cours de sa vie, une personne sur deux devient
handicapés, voilà, en situation de handicap en tout cas. Donc 50% des personnes. Alors le mois parisien du handicap, si je reviens sur au sujet, donc c'est dans sa 13e édition. Donc c'est un rendez-vous incontournable qui offre chaque année un mois de visibilité, d'échange et de partage aux personnes en situation de handicap, au tissu associatif, aux acteurs publics et privés. Il est également un espace de rencontre entre toutes et tous en situation de handicap ou pas. L'enjeu commun de ce rendez-vous annuel est de combattre les préjugés pour accepter l'autre dans son altérité et sa différence, assurer l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, promouvoir des valeurs de solidarité, d'inclusion et d'ouverture à l'autre. Cette délibération concerne donc des actions qui rentrent dans le cadre de ce mois du handicap afin de soutenir les associations qui viennent en aide aux personnes en situation de handicap et qui concernent tous les types de handicap. On pense trop régulièrement au handicap par le biais du handicap moteur avec une personne en fauteuil roulant ou par handicap sensoriel. Pourtant, il y en a beaucoup plus de types de handicap que cela et que 80% des personnes en situation de handicap ont un handicap qui n'est pas visible. Alors, la compagnie Air de Danse, citée dans cette subvention, œuvre notamment pour ce public-là. C'est une association avec laquelle la mairie travaille régulièrement et nous lui avons renouvelé notre confiance pour organiser cet événement sur ce mois du handicap. Cette association organise des ateliers de théâtre, cirque, danse, art plastique qui se veulent inclusifs car des enfants et des jeunes en situation de handicap peuvent y participer. La compagnie de danse, propose donc ce samedi 2 juillet, après-midi, au gymnase Ronsard, des ateliers ouverts au public en situation de handicap et notamment pour les enfants ayant un trouble du spectre autistique. L'événement sera ensuite suivi d'un cabaret et d'un moment convivial ouvert à toutes et à tous. Donc je vous invite à y aller. Cet événement est l'occasion pour nous toutes et tous de se mobiliser autour du handicap, notamment à travers l'art, le sport et, ou encore les loisirs. D'ailleurs, nous avons organisé avec mon collègue Mafsiafal le 18 juin dernier un événement handisport donc, dans le 18e au stade Bertrand Dauvin. Merci Mafs pour ton implication depuis 2 ans avec moi sur le sujet. Donc bravo aussi à toutes ces initiatives qui voient le jour. Si nous avons réussi à contribuer, à donner des idées, des envies, une impulsion et tout simplement montrer qu'une société inclusive, c'est possible. Alors, la suite. Mais il reste encore beaucoup à faire et j'espère que toutes les délégations prendront en compte ce sujet sérieusement et vous remercie de bien vouloir voter cette délibération. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Effectivement, on a, je pense, vécu des très beaux moments au gymnase Bertrand Dauvin autour de l'ensemble des enjeux du handisport. Et c'est une très belle façon aussi, le handisport, de faire en sorte que chacun puisse toucher du doigt les problématiques liées au handicap. Juste une chose que je voulais rajouter. Nous, le 18e, en fait, avec MAMS, nous étions les précurseurs de ce week-end handisport dans tout Paris. Donc, je tiens quand même à le souligner parce que plusieurs arrondissements cette année on fait la même chose que nous. Voilà, donc je le dis. C'est vrai. Merci beaucoup. Et merci à tous les deux. Et donc je vais mettre aux voix la DESOL 27, mois parisien du handicap, qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. Enfin, la DESOL 36 nous invite à subventionner 16 associations pour avoir leur action d'information et de soutien en direction des personnes en situation de handicap, qui est pour, qui est contre, qui est pour unanimité, il en est ainsi décidé. On en vient aux délibérations qui concernent les sujets de mémoire. La première délibération, la DAC 377, est une subvention à 8 associations historiques et une convention avec 7 d'entre elles, qui est pour unanimité, il en est ainsi décidé. On en vient à la DAC 417, apposition d'une plaque commémorative en hommage à Rosine et Bernard Pitsiewicz au 103 rue de Clignancourt dans le 18e. Et la parole est à Gilles Ménède, puis Daniel Prémel. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Je n'avais pas spécialement prévu d'intervenir, mais effectivement, j'ai rencontré hier Maurice Pitsiewicz dans le 18e. Et comme l'a dit Mme Siafa tout à l'heure, ce n'est pas seulement le président de l'OMS, c'est aussi un fils et neveu de résistants.
Et donc, vous savez tous, mes chers collègues, qu'il y a quelques mois, nous avons déjà installé une plaque sur un membre de sa famille au 103 Clignancourt. Il s'agit de Lazare Pitkovic. Et du coup, Maurice Pitkovic se réjouit de l'installation prochaine de la plaque en hommage à ses pères et mères, Rosine et Bernard Pitkovic. Néanmoins, il demande à ce qu'on revoie un petit peu, et Daniel Premel, je suis sûr, s'en chargera auprès de l'adjointe à la maire en charge de la mémoire, à ce que les deux plaques soient de même format, et en particulier par rapport aux décorations des deux personnes, que ce soit Lazare Pitkovic et Bernard Pitkovic. Donc c'est cette information-là que je voulais remonter à Daniel Premel. Et autrement, bien évidemment, il se réjouit de cette plaque qui sera installée prochainement au 103 Clignancourt. Alors moi, il se trouve que je parle ici en tant que riverain de ce lieu, et c'est la raison pour laquelle je suis intervenu ce soir. Merci beaucoup, Daniel Premel. Oui, je vous remercie pour votre intervention. Effectivement, c'est une grande famille de résistants et je crois qu'ils méritent tous d'avoir les médailles et sur les plaques. Et nous remonterons ça donc à la ville de Paris pour avoir une plaque qui soit semblable à la plaque des cousins. Donc c'est la même famille. Et je pense que dans la même famille, on peut avoir les mêmes médailles qui sont méritées de toute façon, et pour les uns et pour les autres. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DAC 497 qui est pour unanimité. Il en est décidé. Je suis certain que Maurice et toute sa famille y seront très sensibles. Enfin, la DAC 499 propose d'apposer une plaque en hommage à Béatrix Excoffon au 9 rue Bachelet, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. On en revient à l'aréna, et plus précisément à l'esplanade en face de l'aréna. La parole est à Ayodele Ikwesan. Merci, monsieur le maire. Comme ça a été dit tout à l'heure, Alice Mia, c'est une pionnière du sport féminin. C'est celle qui a créé les Jeux mondiaux féminins en 1922 et qui, malheureusement, à son époque, a dû se battre contre certains pour exiger que les femmes puissent participer aux Jeux olympiques ou à des compétitions sportives. Et depuis le 8 mars 2021, Alice Mia a sa place au comité olympique, et c'est aussi très important qu'elle puisse du coup être sur cette esplanade de l'aréna, de par son engagement pour le sport féminin, son engagement pour faire bouger les choses à son époque, et pour aussi que les habitants et les habitantes de notre arrondissement et de Paris puissent mieux connaître son histoire. Donc c'est aussi un enjeu de l'héritage des Jeux Olympiques, c'est de faire en sorte qu'on puisse mieux connaître ses combats. Et voilà, je vous remercie en tout cas de voter pour cette délibération. Merci beaucoup. La parole est à Daniel Premel. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention, parce que je crois qu'on ne peut pas passer Alice Mia comme ça très vite. Au contraire, il faut parler d'elle qui n'est pas à l'aréna, mais qui sera sur l'esplanade, cette grande esplanade qui permettra aussi qu'on puisse donner rendez-vous à l'esplanade Alice Mia, et je crois que ça c'est important pour les Jeux Olympiques. Alors parlons un peu d'Alice Mia. Effectivement, vous en avez dit quelques mots. Alice Mia a fait de la reconnaissance et de la visibilité des sportives son cheval de bataille, et avec en tête cet objectif: changer les mentalités et permettre aux femmes enfin de disposer de leur corps et de leur liberté. Elle est née en 1884 à Nantes, et elle est morte en 1955. Elle a pratiqué l'aviron à haut niveau, mais c'est surtout, et c'est ça qui est intéressant pour nous, je crois que Ayodele l'a dit, pour son élan en faveur du sport olympique féminin et ses luttes pour le droit des femmes à pratiquer la compétition au même titre que les hommes. Et ce n'était pas facile à l'époque. En 1922, elle organise les premiers Jeux olympiques féminins, et cela ne va pas sans s'opposer à Pierre de Coubertin. Alors, je rappelle quand même qu'à l'époque, on y allait avec des mots qui n'étaient pas si faciles que ça, puisqu'il disait que les Jeux olympiques, les Olympiades féminines, seraient impratiques, inintéressantes, inesthétiques, incorrectes. Et oui, mais les choses ont changé. Et grâce à elle, les Jeux
sont un véritable succès en 1926 et les femmes, 270 athlètes, vont effectivement participer aux Jeux Olympiques. Alors il faudra attendre quand même pas mal de temps pour que les femmes aient toute leur place. On rappelle qu'en 1980, elles étaient encore 15% simplement qui pratiquaient les Jeux, qui étaient participantes aux Jeux Olympiques. Mais maintenant, les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, c'était 41%. Vous voyez qu'on avance et bientôt, je pense que ça sera 60%. En tout cas, merci à Alice Mia et je crois que ça, l'esplanade Alice Mia dans ce quartier va redonner, déjà qu'il y a pas mal de jeunes femmes et de clubs féminins qui sont présents, vont donner envie encore plus de la pratique sportive féminine. Et puis avoir de beaux exemples, c'est quand même quelque chose qui est cher au cœur du 18e. Merci beaucoup. J'ajoute que deux des gymnases du 18e ont d'ores et déjà pris le nom de personnalités féminines, Micheline Ostermeyer et Wilma Rudolph. Alors c'est vrai que pour le moment, dans la pratique quotidienne, les gens continuent à dire plutôt gymnase Pajol et gymnase Poissonnier et n'utilisent pas beaucoup le nom propre. Ce qui veut dire que la réalité des dénominations, c'est souvent plus les habitants qui la font que nous autour de cette table. Mais en l'occurrence, il faut tenter et notamment faire en sorte que les gens puissent parler plus souvent d'Alice Mia. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix la DU 95 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. On en vient à la délibération DPMP 5 qui concerne des subventions avec des structures dans le cadre de la prévention de la délinquance. La parole est à Rudolf Granier. Merci Monsieur le maire. On a pu observer dans la lecture de cette délibération qu'il y avait une buvette qui était subventionnée. Et donc il ne semblait pas, avec le projet Jupiter de mémoire, sympathique pour une buvette, mais est-on certain que subventionner une activité commerciale, concurrentielle est bien opportun ? On s'interrogeait sur ce projet en particulier. Merci. Kevin ? Ou Sarah ? Ouais. Sarah. Merci, monsieur le maire. La buvette dont vous parlez, c'est la buvette qui est dans le jardin des Halles, que vous avez déjà dû voir, j'imagine, puisqu'elle est maintenant assez ancienne. Elle est tenue en partenariat avec l'APSAGE, hein, qui est un club de prévention dans le 18e arrondissement et avec lequel on a beaucoup travaillé sur notamment le phénomène de RICS et sur l'occupation positive du jardin des Halles. Donc en fait, c'est une buvette qui maintenant va faire son deuxième été, me semble-t-il, voire le troisième. Je vérifie dans les regards des uns et des autres, mais le troisième été. Et c'est tenu en fait par les jeunes de l'association qui sont suivis par l'APSAGE avec des contrats pour beaucoup, avec des contrats qui sont liés à l'exploitation commerciale que vous évoquez. Et un certain nombre de jeunes ont d'ailleurs profité de ça pour partir en formation, en insertion. Je peux vous préciser si vous voulez le nombre de jeunes où je pense que Maya les connaît plus précisément que moi. Et donc non seulement c'est une buvette qui a eu beaucoup de succès puisqu'elle a vraiment permis un bénéfice très important sur le jardin des Halles, mais en plus elle a eu une vocation de mettre un certain nombre de jeunes au travail sur un vrai métier, une formation, une insertion. Et donc nous sommes vraiment contents, au-delà du fait que ça nous a permis un apaisement et un travail entre le 18e et le 19e, mais aussi de parler de travail, d'emploi avec un certain nombre de jeunes qui tiennent cette buvette. Mais j'imagine que vous connaissez en fait le système puisque vous avez dû être invité comme d'autres à voir ce qui se passait dans ce jardin avec cette buvette. Et donc nous sommes très contents que l'aventure continue et on peut tout à fait en reparler avec l'APSAGE qui est très heureux de présenter ce dispositif avec l'ensemble des jeunes qui l'animent et en ce moment et pour l'été. Merci beaucoup Sarah Proust. Je vais donc mettre aux voix la DPMP 5 qui est pour, unanimité, et je vous en remercie. Les deux délibérations suivantes concernent la santé, elles n'ont pas fait l'objet d'inscription. La première, la DSP 9, concerne une subvention à l'association Opelia, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La deuxième concerne des subventions et conventions avec quatre associations dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de prévention des conduites à risque dans les foyers. Qui est pour ?
qui est unanimité. Je vous en remercie. On en vient à la délibération DAE1, convention et subvention à 10 organismes lauréats de l'appel à projet des trophées parisiens de l'économie sociale et solidaire. La parole est à Émile Meunier. Merci Monsieur le maire. Quelques mots parce que on a de quoi être fier dans le 18e arrondissement. Beaucoup de raisons. Et aussi parce que sur le trophée de l'économie sociale et solidaire 2022, sur 10 lauréats, nous en avons 4, 3,5, mais bientôt 4, qui sont de notre arrondissement. Et c'est le fruit d'un travail qui ne date évidemment pas de cette mandature. Il y a une vraie culture de l'économie sociale et solidaire dans cet arrondissement. Et je tiens évidemment à remercier Monsieur le maire, mais aussi Frédéric Badina, qui avait la charge de l'ESS avant moi. Alors, je vais en parler quand même un petit peu. Awa au féminin, donc, qui récupère des habits de luxe pour pouvoir les reconditionner, les revendre à un prix beaucoup plus modéré. Je suis quand même allé voir sur la plateforme. Mais surtout, qui embauche des personnes en situation de vulnérabilité, et des femmes en particulier, qui peuvent avoir des accidents de vie et qui leur permettent comme ça de retrouver un travail, de reprendre plein pied dans la société. Nous avons également la société Ecoder qui fait de la récupération, du reconditionnement de matériel informatique. Donc là, on est en plein dans l'économie circulaire et on sait comme l'informatique consomme beaucoup de matière, consomme beaucoup d'énergie aussi à faire. Et donc il y a à la fois une œuvre sociale, puisque c'est des gens qui sont en contrat d'insertion qui vont faire ce travail, mais aussi une œuvre pour le climat. Enfin, Pépin Production, que tout le monde connaît évidemment, puisqu'il nous aide à végétaliser, à créer des bacs, à accompagner sur des jardins partagés, et une réalisation, grâce notamment au travail de Gilles Méned, qui a été faite juste derrière l'église, là, à côté de la mairie. Assez bien fait, je dois dire, c'est beau à voir. Et je disais 3,5 parce qu'on a Passerelle 17 qui est la régie de quartier du 17e arrondissement, mais on est en travail très étroit avec Gabriel Siri et aussi avec Nadia Benakli pour que ça puisse devenir très bientôt, on l'espère, une passerelle 17-18, puisqu'elle a déjà des contrats de régie de quartier dans le 18e arrondissement, et l'idée c'est que ça devienne pleinement une régie de quartier du 18e. Et donc vous voyez, ça fait quand même 4 acteurs, ce qui montre le dynamisme de notre arrondissement. Enfin, je voudrais dire un mot, parce que sans vouloir plomber le moral, on a quand même pas mal de crises en ce moment, hein, la crise énergétique, sanitaire, bientôt peut-être alimentaire, du pouvoir d'achat. Et quelles sont les solutions? Il y a des solutions qui ne dépendent pas de nous, évidemment, qui sont mondiales, mais les réponses peuvent être et doivent être locales. C'est recréer des solidarités, recréer de l'échange, et recréer du local, et c'est par ces solidarités, par ce travail en commun qu'on arrivera très certainement à surmonter les effets négatifs de ces crises. Et c'est précisément ce que fait l'ESS, puisque c'est de l'économie locale, c'est de la solidarité, c'est du partage démocratique des décisions et c'est du partage des profits, puisqu'il n'y a pas de profit à proprement dit, tout est reversé dans l'activité et dans ceux qui aident à travailler. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et effectivement, le 18e est devenu un peu à bas bruit, et donc c'est bien de le faire savoir. Un des pôles parisiens de l'ESS, ça a été un travail de long terme, et je veux moi aussi en remercier notamment Frédéric Badina Servette. En attendant, je vous propose de mettre aux voix la DAE1, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DAE5 concerne toujours des organismes d'accompagnement des porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? Elle est adoptée. Nous en arrivons à l'accès aux droits de délibération qui n'ont pas fait l'objet d'inscription. La DAJ9, subvention de 77 000 euros au Conseil départemental de l'accès aux droits de Paris. Qui est pour, contre, abstention? Elle est adoptée à l'unanimité. Et la DSOL 59, subvention à 14 associations et conventions pour leur action d'insertion sociale, qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Les deux délibérations suivantes n'ont pas fait l'objet d'inscription non plus. Elles concernent la DDCT 27, une subvention à 3 associations pour le projet EIFL avec des signatures de conventions pluriannuelles, qui est pour
qui est unanimité. Et la DDCT 80 nous permettra de subventionner 6 associations pour l'apprentissage du français et pour l'intégration, qui est pour unanimité. Et je vous en remercie. Nous en arrivons au sujet de voirie et la parole est à Eric Ellers concernant la DTEC 26, approbation du plan d'amélioration de l'environnement sonore. Merci Monsieur le maire. Concernant ce plan d'amélioration de l'environnement sonore, tout d'abord, vous adressez un certain nombre de points positifs qu'il comporte, et tout particulièrement certaines mesures innovantes, potentiellement efficaces, telles que l'installation de radars acoustiques et les revêtements acoustiques qui devront également, nous l'espérons, être bioclimatiques, à savoir de couleur claire, pour cumuler les deux atouts de générer peu de bruit et d'absorber peu de chaleur. Je souhaite attirer l'attention de notre Assemblée sur un certain nombre de préoccupations de nos concitoyens en matière de bruit. Ces préoccupations qui reviennent, parmi les préoccupations qui reviennent le plus souvent. La préoccupation concernant les terrasses, elle est prise en compte dans le plan. Toutefois, nous sommes très vigilants, nous attendons davantage de réactivité en cas de problème et l'instauration de sanctions dissuasives. Je sais que ce n'est pas simple, j'ai encore eu récemment le témoignage d'une situation qui a été vécue très difficilement dans une rue assez étroite où la terrasse occasionnait de très nombreuses nuisances tard dans la nuit, y compris pour les personnes qui se trouvaient de l'autre, du côté court. Vous dire à quel point c'était violent. Un deuxième point qui est les mortiers d'artifice, c'est un sujet qui a fait l'objet d'une tribune récente de ma collègue Anne Giudicelli et qui a fait l'objet d'articles dans la presse. Ce qui m'amène à vous assurer que la lutte contre les incivilités et la délinquance participera non seulement à l'amélioration de la sécurité, mais aussi au respect de la tranquillité sonore à laquelle nos concitoyens aspirent. Sur les insuffisances de ce plan, il y a les klaxons qui sont évoqués dans le plan, mais sur lequel je vais encore une nouvelle fois insister sur le fait que vous jouez les pompiers pyromanes, à savoir que beaucoup d'usages abusifs de ces avertisseurs sonores, que nous déplorons, sont liés à des embouteillages créés volontairement et abusivement par les aménagements et par un choix politique que nous contestons, sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir et qui se trouve une nouvelle fois mis en lumière à travers ce plan. Donc, modifiez votre politique, modifiez cette vision d'une pseudo-nécessité de créer des embouteillages pour dissuader l'usage de la voiture. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une dégradation de la qualité de vie de des habitants parisiens, de nos concitoyens, à travers ces bruits routiers, même s'ils sont, et nous en sommes tout à fait d'accord, infiniment critiquable et condamnable. Un autre point qui ne me semble pas apparaître, c'est pour prévenir les problèmes de nuisance et d'éviter aussi de construire des logements là où l'infrastructure est très bruyante, de construire au ras du périphérique ou de voies ferrées. Plutôt que de faire des logements, ce sont des lieux qui, dans le cadre d'une révision du PLU, mériteraient d'être plutôt dédiés à des équipements ou des bureaux, des surfaces dédiées à l'activité ou au travail. Enfin, ce que nous constatons, c'est que la municipalité tire profit de ce plan pour légitimer certains de ses projets, parmi les plus controversés, comme la réduction de la vitesse sur le périphérique, que nous ne souhaitons pas. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Antoine Dupont. Merci Monsieur le maire, je ne vais pas répondre à tous les points parce que certains éléments ne sont pas liés directement à ma délégation. Néanmoins, j'ai une question à poser à Monsieur Ellers. La piétonnisation des voies sur berge ont-elles dégradé la qualité de vie des Parisiens? Les rues aux écoles ont-elles dégradé la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens? Je ne pense pas. Au contraire. Donc, il y a
Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est, et je pense que quand vous, comme moi, vous avez lu le rapport qui avait été attaché à cette délibération, il est évoqué que la construction de pistes cyclables et globalement la réduction du trafic automobile permet une réduction de fait des nuisances liées au roulement, par exemple, qui sont importants. Et sur les klaxons, évidemment que c'est une réalité, mais à mon sens, c'est une réalité qui est de transition. Et que quand on fait, et je le répète à chaque conseil d'arrondissement, quand on fait des aménagements, on pense des aménagements pour transformer la ville, qui est le mandat qui nous a été confié. Et quand on transforme une ville, notamment sur des investissements lourds, on doit les transformer avec une vision à 10, 20, 30 ans. Et donc, de fait, oui, aujourd'hui, il y a des klaxons et des embouteillages, je le conçois. Mais deux éléments, c'est que, un, les travaux d'aménagement ne sont pas terminés, et deux, il y a toujours une inertie d'adaptation. Et donc, prenant en compte ces éléments, nous reparlerons de ces nuisances liées aux klaxons à la fin du mandat, mais je pense, et suis même assez sûr, que ceux-ci seront sensiblement réduits. Et je pense que c'est aussi une nécessité sanitaire, c'est une nécessité de réduction de la pollution atmosphérique. Et au-delà de ce qu'on peut dire, la pollution atmosphérique liée à la circulation, elle n'est pas liée qu'au moteur. Elle est liée aussi à l'échappement des pneus, aux freins, elle est liée à plein de choses. Et donc, il y a un moment où on parle de confort, mais on parle aussi de santé. Et donc, voilà, il faut aussi comprendre ces éléments. Mais je ne réfute pas tous les propos que vous avez évoqués. J'essaie juste d'apporter quelques éléments d'éclairage. Merci beaucoup pour peut-être compléter cette réponse tout à fait juste sur deux éléments qui ont été évoqués sur la question des terrasses. D'abord, saluer le travail très important fait par un quadriumvirat d'élus du 18e sur cette question. Je pense bien sûr à Antoine Dupont, Jean-Philippe Daviaud, Kevin Navet et Frédéric Badina-Serpette, puisque nous avons intégré dès le départ la question du nettoyage des emprises dans notre politique d'autorisation, parce qu'aujourd'hui on est sur un régime d'autorisation des terrasses éphémères, ce qui nous a permis d'en autoriser beaucoup, beaucoup moins que la première année, et de justifier l'ensemble de ces propositions de façon très rapide. Donc je voudrais vraiment remercier les quatre élus et mon cabinet et la Direction Générale des Services de la Mairie qui ont fait un travail. On ne se rend pas compte de l'ampleur du travail qui nous a permis non seulement de donner un avis, mais de donner un avis précis sur chacune des milliers de demandes et d'arriver, je crois, à autour de 800 terrasses estivales autorisées qui correspondent à ce que souhaitent aussi les Parisiens. Parce que l'autre élément à avoir en tête, c'est que certes, les terrasses sont considérées par certaines et certains comme faisant du bruit, elles sont pleines. Et elles sont pleines de Parisiens et même d'habitants du 18e. Ce qui veut dire que c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé. Et je pense que dans le 18e, parfois, il faut aussi se lancer des fleurs à soi-même. On a trouvé cet équilibre, équilibre rendu possible aussi par la politique extrêmement nette que nous avons eue de retrait de terrasses, non seulement de retrait d'autorisation, mais de retrait physique de terrasses quand les restaurateurs abusaient de trop. Et nous allons continuer cette année avec cette politique en deux directions. D'une part, autoriser des terrasses pour toutes celles et tous ceux qui les gèrent bien, parce que c'est ce que souhaitent très massivement les Parisiennes et les Parisiens, et être extrêmement ferme, quand il faudra l'être, pour les quelques terrasses qui posent problème. Et d'ailleurs, ce ne sera une révélation pour personne ici, mais on savait un peu par avance les terrasses qui nous poseraient problème, parce que finalement, souvent les terrasses qui posent problème sont liées à des commerces qui déjà posaient problème avant même l'obtention de leur droit de terrasse. Deuxième élément, Mélimane Kalouk en dira un peu plus à l'issue de l'étude du vœu. Bien sûr, la question des mortiers et des pétards est un sujet de préoccupation, à la fois parce que ça fait du bruit et parce que c'est dangereux, et on aura l'occasion à la fin du conseil d'arrondissement d'évoquer un tout petit peu ce sujet, même si on pourra y revenir ensuite. Voilà ce que je voulais ajouter, et donc je mets aux voix la délibération 2022 DTEC 26 qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée. La DVD 55, soutien aux initiatives des associations vélo, n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. DVD 63, parc de stationnement Carpeau et Milton, qui est pour, contre, abstention, unanimité. Et enfin, la parole est à Eric Ehlers concernant la délibération DVD 89 sur les études de consolidation des scénarios préférentiels retenus à la suite des études d'opportunité et de faisabilité de l'insertion urbaine de la station La Chapelle de la ligne 2 du métro. Sujet, pour ceux qui n'ont pas compris la thématique de la délibération, autour de l'ouverture de la station La Chapelle. La parole est à Eric Ehlers. Oui, merci monsieur le maire. Là, ce sera une intervention pour de satisfaction
pour ce projet d'amélioration de l'insertion de la station à La Chapelle, qui est une des stations les plus fréquentées, au moins sur le territoire de l'arrondissement, et qui effectivement nécessite de voir ces flux améliorés, et également d'améliorer l'accessibilité. Je pense que notre collègue Nadia Benakli y sera particulièrement sensible, puisque le métro aussi a été mis de côté grandement pour l'accessibilité, au moins dans Paris. L'accessibilité se fait au niveau des portes, elle se fait progressivement au niveau des portes, puisque la station Porte de la Chapelle doit être mise en accessibilité à l'occasion du prolongement de la ligne, mais à l'intérieur de l'arrondissement, ce n'est pas le cas. Il semble que la priorité soit donnée aux stations aériennes, celle-ci en est une. C'est pour vous, mon intervention vise à vous encourager à continuer dans ce sens. Ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'ici, puisque tout a été misé sur le transport de surface, avec une certaine raison, puisque c'était plus facile de permettre l'accessibilité des personnes handicapées dans les autobus. Le réseau était beaucoup plus capillaire et facile à rendre accessible, avec toujours le même problème, celui des embouteillages, c'est-à-dire que les autobus sont, eux, pâtissent également des embouteillages, se retrouvent bloqués, et donc les personnes handicapées n'ont pas ce choix actuellement de pouvoir prendre des transports plus rapides qui leur ouvrent davantage de territoire, je pense aussi bien à l'emploi que au loisir, à la vie sociale. Donc continuer, espérant que la ville de Paris va infléchir sa politique en matière de transport en misant davantage sur le métro, qui est le deuxième mode de transport des Parisiens après la marche à pied, et que de tels partenariats entre la ville, la RATP et Île-de-France Mobilité trouveront des successeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine Dupont. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie, monsieur Ehlers, pour ces propos que je partage. Modulo deux points. Le premier, c'est que vous êtes, c'est pas un secret, plus âgé que moi, donc vous avez un meilleur historique de la ville de Paris, mais je pense que quand Paris n'avait pas deux voies bus, c'était bien pire qu'aujourd'hui avec la création des voies dédiées. Je suis âgé, mais pas à ce point quand même. Hein. J'ai pas connu le trolleybus à cheval. C'est pas mon propos. Vous êtes bien aimable. Vous êtes effectivement encore très jeune, mais sûrement c'est une hypothèse née avant moi. Et donc, voilà, mon propos est juste de dire, c'est pas le sujet du débat, et c'est juste de dire que quand Paris n'avait pas de voie bus... Si j'avais des illusions, ce soir, c'est terminé. Hein. Bref. Et mon deuxième point est plus de dire que sur le métro, c'est effectivement un des vecteurs principaux de déplacement à Paris, et plus largement aussi en banlieue quand il y a un accès métro. Néanmoins, et là c'est plus un point pour Île-de-France Mobilité, c'est que il faut que les cadences suivent aussi. C'est-à-dire que le métro est d'autant plus attractif que les cadences sont aussi là, et qu'on n'attend pas un métro parfois 10-12 minutes, comme ça a été le cas notamment avec la baisse des cadences pendant le Covid sur le métro 12. Donc ça reste évidemment un vecteur de transport massif dès lors que le service associé est de qualité. Merci beaucoup pour ces éléments sur un sujet très important pour chacun ici, et je salue notamment la mobilisation des élus communistes lors de la précédente mandature qui, aux côtés bien sûr de toute la majorité, se sont beaucoup mobilisés sur ce sujet. Je vais donc mettre aux voix la DVD 89 qui est pour, qui est contre, unanimité, je vous en remercie. On en vient à la question du réseau de chaleur parisien et la parole est à Éric Ehlers. Oui, merci monsieur le maire. Donc, ce sera une intervention très simple pour vous indiquer que cette délibération ne nous pose pas de difficulté, sachant qu'elle a quand même un impact, puisqu'elle vise à rendre obligatoire une étude d'opportunité du raccordement des bâtiments neufs et des bâtiments existants qui font l'objet d'une rénovation lourde au réseau de chauffage urbain. Je vous confirme, pour avoir quelques actions dans ce domaine à titre professionnel, que les personnes qui sont alimentées par le réseau CPCU s'en félicitent actuellement, puisqu'ils n'ont pas subi les hausses de tarifs, notamment du gaz.
et que donc ce réseau et ce système de raccordement trouve tout son sens. Il doit bénéficier de l'effet réseau, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du monde qui soit, plus il y a de monde branché sur le réseau de chaleur urbain, moins les coûts, plus les coûts sont partagés et plus les frais diminuent. D'où l'intérêt d'inciter, d'où l'intérêt de cette délibération que nous soutenons à ce niveau-là. J'aurai une intervention complémentaire qui concerne cette fois le réseau de froid, puisqu'il peut également faire l'objet de ce type de disposition, et que nous devons nous poser la question de son développement, de son association avec le réseau de chaleur, sachant que la production de froid génère de la chaleur. Il y a un article qui est paru récemment et qui critiquait notre modèle de développement, qui disait que nous avons un système de développement de la climatisation de type américain. Je ne vous ferai aucun commentaire sur le côté énergivore qui était déploré par cet article, à juste titre. Cet article indiquait particulièrement le développement des climatiseurs individuels que nous constatons, qui est une réalité en France et qui est liée, nous en avons parlé à l'ouverture de notre conseil, aux vagues de chaleur que nous connaissons et qui peuvent se révéler être insupportables, particulièrement dans un certain nombre de logements parisiens situés sous les toits mal isolés. Aussi, j'espère que notre assemblée, que la municipalité s'emparera également de ce sujet, du réseau de froid et des modes de climatisation alternatifs à la climatisation individuelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et sur ce dernier élément, je crois que l'aréna qu'on organise, qu'on crée à la porte de la chapelle est un des éléments de réponse particulièrement convaincant sur la question du réseau de froid. En attendant, la parole est à Anne Carboux. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, nous avions en effet un échange, enfin une intervention au début de ce conseil d'arrondissement sur la question de comment on protège les habitants et les habitantes des canicules. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement d'adapter notre ville au changement climatique, mais bien de continuer à lutter contre ce changement climatique qui est en partie déjà une fatalité, malheureusement, mais pour lequel nous pouvons encore infléchir la trajectoire. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Et c'est bien pour ça que la ville de Paris a adopté le plan climat air énergie parisien avec l'objectif d'une ville neutre en carbone en 2050 et le développement des énergies renouvelables. Et le réseau de chaleur urbain de la ville de Paris est un levier indispensable pour atteindre ces objectifs de développement des énergies renouvelables. Il faut savoir que ce réseau de chaleur est aujourd'hui alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables. Et l'objectif, c'est d'atteindre 75% en 2030, ce qui est un objectif très ambitieux et nous mettons les moyens pour y parvenir. À savoir en effet que ce réseau de chaleur aujourd'hui alimente tous les hôpitaux de Paris, mais aussi 40% des bâtiments tertiaires et un certain nombre de nouveaux quartiers comme celui des Batignolles. C'est en effet un outil très important à la fois pour lutter contre le changement climatique, mais aussi un outil social, vous l'avez dit, qui permet dans cette période d'inflation du prix de l'énergie de maintenir un coût de l'énergie raisonnable pour les Parisiens et les Parisiennes qui sont alimentés par ce réseau. Pour revenir à l'objet de cette délibération, c'est de définir une zone de développement prioritaire où les raccordements au réseau de chaleur sont obligatoires. Cette délibération qu'on est heureux de mettre en œuvre découle d'une loi qui a été mise en place et qui nous oblige de toute façon à mettre en place cette zone de développement prioritaire, comme vous l'avez dit, sur les bâtiments neufs, mais d'une puissance au-dessus de 100 kW. Et aussi pour les bâtiments qui font l'objet de rénovation. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner tous ces porteurs de projets qui vont devoir se connecter au réseau de chaleur, les accompagner aussi pour que ce soit une économie pour eux, et puis pour que ça leur permette de maîtriser leurs coûts. Ce réseau de développement prioritaire, il ne concerne pas tout Paris, il concerne les parcelles qui se situent à 60 mètres du réseau de chaleur, puisqu'on est bien conscient des difficultés techniques quand on est et des coûts importants quand on est à distance de ce réseau de chaleur. Concernant la question du réseau de froid, nous avons aussi à Paris cette grande chance et ce levier du réseau de chaleur, du réseau de froid, pardon, qui nous permettra
justement de ne pas être dans une politique à l'américaine sur le développement de climatisation individuelle. Et c'est d'ailleurs la stratégie qui a été adoptée pour les bâtiments publics. Aujourd'hui, les bâtiments publics, l'orientation est de ne pas les équiper de ces climatisations individuelles. C'est pour ça qu'est lancée en ce moment l'expérimentation avec ce réseau de froid qu'on appelle Climespace. Et donc, on espère tirer un bilan très positif de cette expérimentation sur la climatisation avec ce réseau de froid pour pouvoir le développer au maximum. C'est en tout cas l'orientation très forte que souhaite donner mon collègue Dan Lert sur cette économie d'énergie et ce développement de réseaux d'une énergie durable pour pouvoir, comme je disais en introduction, lutter contre le changement climatique et avoir aussi une visée sociale dans cette transition écologique pour que chacun puisse se prémunir face à l'urgence climatique. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vais mettre aux voix la DVD 69 qui est pour unanimité. Je vous en remercie. On en vient à la DLH 148, lancement de l'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. La parole est d'abord à Éric Ehlers, puis Émile Meunier et Mario Gonzalez pourra donner des éléments de réponse. Merci Monsieur le Maire. Donc nous n'avons pas d'opposition sur le principe du lancement de cette procédure qui, je crois, en plus est obligatoire. Je formulerai deux observations concernant les questions d'attribution de logements sociaux. La première, c'est d'insister sur les difficultés que rencontrent les personnes qui demandent des mutations. Nous avons des échos de nombreuses insatisfactions, de frustrations, particulièrement de la part de personnes qui demandent des surfaces plus petites et qui n'obtiennent pas satisfaction, qui se voient proposer des surfaces plus petites mais plus chères, ou mal situées, qui ne correspondent pas à leurs besoins. Le deuxième élément, c'est l'importance de l'information qui va découler de tout ce processus, un peu ce retour d'information envers les demandeurs de logements sociaux et puis envers les Parisiens sur les attributions à travers des statistiques précises basées sur les critères d'attribution et sur les caractéristiques socio-économiques des bénéficiaires. Cela permettra également, je l'espère, de pouvoir clarifier un certain nombre des divergences que nous pouvons avoir à travers des données fiables, transparentes et partagées. Et le tout afin de susciter la confiance de nos concitoyens sur ce sujet très sensible. Enfin, pour terminer, je pense qu'il aurait été judicieux d'associer dans la démarche les élus qui le souhaitent aux travaux d'élaboration de ce plan. Je vous remercie. Merci, Émile Meunier. Merci, Monsieur le Maire. Cette délibération, elle est très intéressante parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, c'est une obligation légale de mettre en place pour toutes les communes et les EPCI ce plan qui permet de s'assurer que les demandeurs de logements sociaux soient le mieux traités possible et le plus efficacement possible. Ce plan doit comprendre 13 points. Et quand on regarde ces 13 points, on se rend compte qu'en fait, la ville de Paris, alors même qu'il n'y avait pas d'obligation légale, y répond déjà très largement, si ce n'est intégralement. Donc c'était aussi l'occasion pour moi de féliciter le travail de la majorité sur cette question de traitement des demandes de logements sociaux. Je vais prendre deux exemples qui sont les plus connus. C'est par exemple les points logements dans chaque mairie d'arrondissement. Ça, on l'a fait depuis très longtemps et c'est devenu une obligation légale. C'est-à-dire que la loi s'est inspirée de ce qu'on fait à Paris. L'autre point, c'est la cotation. Vous savez, on donne une note, si je puis dire, qui, en fonction de différents critères sociaux, si vous êtes par exemple à la rue, si vous avez été victime de violence, etc., pour pouvoir passer d'une manière objective une sélection. Et ben ça, la ville de Paris le fait depuis 2014, ben, la loi maintenant va demander à tout le monde de le faire. Donc, c'est vraiment pour dire qu'on avait analysé ces problèmes, et pour cause, il y a tellement de demandeurs d'emploi et de logements de la ville de Paris, qu'en fait on a été les premiers à être en première ligne pour arriver à trouver les mécanismes pour rendre la chose la plus efficace et objective possible. Je dirais quand même que dans les perspectives d'amélioration, il y a effectivement cette question de la bourse d'échange de mutation
Il est trop dur encore aujourd'hui quand on veut passer d'un logement à l'autre. On pense aussi aux personnes retraitées qui ou d'ailleurs, ou même pas retraitées, mais leurs enfants sont partis. On a des chambres en plus. Et ben, en fait, pour aller dans un logement plus petit, c'est quand même très difficile encore aujourd'hui. Et c'est dommage parce que ça laisse une, deux chambres comme ça qui auraient pu être utilisées par des personnes qui en ont besoin. Une fois qu'on a dit que la ville de Paris, et je pense que cette procédure va aussi permettre de tout remettre en cohérence, d'améliorer tel ou tel point, et je fais entièrement confiance à la fois Yann Broussa, Mario Gonzalez et les services pour y arriver. Une fois qu'on a dit ça, bah en fait, même si on traite de la meilleure façon possible les demandes de logement, on bute quand même sur un problème à Paris. C'est que vous avez plus de 200 000 demandeurs et puis on a très 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 peu de logements à donner chaque année. Et donc comment on fait ? Bah, il faut produire du logement social. Il faut en produire massivement. On a fait faire une étude qui dit que pour atteindre les 30% de logements sociaux en 2030, ce qui est un objectif qu'on s'est donné collectivement dans cette majorité, il faudrait produire plus de 9600 logements sociaux par an. Pour vous donner quand même une proportion, en termes de construction de logements, dans nos meilleures années, quand on avait des terrains pas possibles de 20 hectares avec des ZAC, des choses à faire incroyables, on arrivait péniblement à construire 4000 logements par an. Donc ça vous montre le gap de l'effort qu'il faut faire. Où est-ce qu'on va pouvoir faire cet effort ? Dans la construction, bien évidemment. On va continuer à construire à Paris. Ce ne sera pas aussi facile qu'avant. Il va falloir être plus intelligent. Il va falloir y mettre de la technologie pour surélever par-ci, par-là. Mais vous voyez bien qu'on ne sera jamais dans les proportions qu'il faut pouvoir atteindre pour pouvoir se respecter les objectifs qu'on s'est donnés. Pourquoi on s'est donné ces objectifs ? Bah, pour loger les gens. Bon. Donc, il va falloir exploiter d'autres sources de production des logements sociaux. Nous, les écologistes, on dit depuis très longtemps, les deux grands piliers pour faire du logement social, à partir de maintenant, ça va être la transformation de bureaux en logements sociaux. Et là, on est très, 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 très loin du compte. On est à peu près à 300, 400, je parle sous ton contrôle, Yann, par an. Vous voyez, on n'est pas du tout sur ce qu'il faut faire. On a lancé une initiative qui s'appelle Réinventer Paris 3. Bon, ça produit un peu, mais pour vous donner un exemple, à Tati, bah, finalement, il n'y a que 10% de logements sociaux sur toute la surface. Je pense qu'on a encore beaucoup de la coupe aux lèvres sur ce point-là. Donc nous, on a proposé un grand plan de transformation qui a été voté au Conseil de Paris par l'ensemble de la majorité. Et il va falloir investir massivement. L'autre, c'est évidemment la préemption. Et là aussi, on préempte, hein, à Paris, on a 148 millions par an pour préempter, c'est disons 500 logements, mais vous voyez, 500 logements par rapport aux 9600 qu'il faudrait faire chaque année. Donc là aussi, il va falloir massivement préempter, ça veut dire massivement mettre des fonds qui ne sont pas perdus, puisqu'on investit, hein, après ça reste chez nous. Et en plus, on contrôle le prix du foncier, et donc on contrôle l'augmentation du prix de l'immobilier. Je dis ça pourquoi ? Parce que c'est vraiment une aventure collective qu'on va devoir mener les années qui viennent, mais sur plusieurs mandats. J'ai comme précédent l'éradication de l'habitat insalubre à Paris. On a, depuis 2001, quasiment, évidemment il y a encore par-ci par-là des poches, mais quasiment éradiqué l'habitat insalubre. Comment on a réussi à le faire ? Une volonté politique, des moyens financiers, une administration et des services qui ont mis en place des techniques, de l'ingénierie juridique, des organismes pour y arriver, et sur la durée, on a réglé quasiment la question. Et je dis que c'est ce même type de plan d'énergie, d'investissement qu'il va falloir mettre pour transformer massivement le logement privé ou le bureau en logements sociaux et atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci, Mario Gonzalez. Merci, monsieur le maire. Alors, sur les observations de monsieur Hélers en ce qui concerne le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, vous évoquez un point particulier qui est celui de la mutation. Sur la mutation, il est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions et nous en sommes nous-mêmes souvent les destinataires, puisque j'ai souvent des courriers de demandeurs de logement qui en fait cherchent à changer de logement social. Alors, plusieurs choses ont été faites par la ville. La première, c'est la convention des mutations, qui est d'ailleurs citée hein, dans la délibération. C'est une convention qui, notamment,
enfin par laquelle la ville de Paris s'engage notamment, enfin les bailleurs sociaux de la ville s'engagent à réserver 25% de leur PAC à la mutation, et l'État c'est 20%. C'est les bailleurs sociaux qui vont gérer ce quota. Tout ça pour essayer d'augmenter effectivement la part de logements sociaux réservés à la mutation. La grosse difficulté de la mutation, c'est que le taux de rotation dans le parc social est extrêmement faible, aux alentours de 4%. Donc, très peu de logements sociaux qui se libèrent. Aujourd'hui, quand quelqu'un obtient un logement social, il y reste quasiment toute sa vie, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc ça rend extrêmement difficile la mutation. Dernier outil que j'ai oublié de citer, c'est effectivement la bourse échangée habitée. Alors là, Émile Meunier souligne la difficulté notamment de l'accessibilité numérique. C'est vrai, il faut toujours alerter les bailleurs sur ce point, de telle sorte à ce que les personnes qui n'auraient pas une facilité pour utiliser les outils numériques puissent le faire dans les agences territoriales des différents bailleurs. En tous les cas, ce sont les trois outils qui existent pour faciliter, agiliser la mutation, mais c'est vrai que vu le taux de rotation, c'est extrêmement compliqué. En ce qui concerne les informations sur le logement, monsieur Heller, je vous renvoie aux documents que vous pourrez trouver, enfin les documents publics autour de la conférence du logement de Paris, où il y a plusieurs chiffres qui sont possibles, disponibles. Vous avez également l'étude de l'APUR, sauf erreur de ma part d'ailleurs, la dernière étude est très récente sur le logement social à Paris. Et vous avez également l'ADIL qui tous les ans fait un rapport très instructif sur le logement à Paris, et vous y retrouverez notamment des informations très intéressantes sur la construction de logements, sur la création de logements sociaux, parce que c'est pas la même chose, hein, construire un logement social que créer un logement social, et également sur les catégories de logements sociaux par arrondissement. Voilà, ce sont vraiment trois outils très utiles. Je citerai également, par rapport à tout ce qu'a dit Émile, effectivement, le plan, aujourd'hui, la ville a atteint tous les objectifs visés par le plan, et donc visés par la loi. Et ce, bien avant la promulgation de la loi Élan. Et l'on peut s'en féliciter. Je citerai également un autre outil qui est utilisé, non pas par toutes les mairies d'arrondissement, mais en tout cas par la mairie du 18e arrondissement, qui est celle des permanences d'élus. Parce que nous avons beaucoup d'habitants qui souhaitent, et c'est bien légitime, au bout de nombreuses années d'attente, ou tout simplement pour avoir des explications, ne pas avoir comme seul interlocuteur les fonctionnaires de l'Antel Logement, que je remercie d'ailleurs pour leur travail, mais avoir un élu. Voilà, donc ça c'est à la discrétion des mairies d'arrondissement. La majorité, les élus de la majorité le font, et c'est extrêmement apprécié de la part des habitants, puisque ça leur permet d'avoir des informations utiles et des conseils utiles sur comment faire évoluer leur dossier, parce que très souvent on constate que les dossiers sont incomplets ou les informations sont erronées. Voilà, donc nous allons travailler sur ce plan, et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cet échange sur un des sujets, si ce n'est le sujet de priorité d'un très grand nombre de Parisiens. Je vais donc mettre aux voix cette délibération DLH 148 qui est pour unanimité, et je vous en remercie. On en vient à la location de l'immeuble du 44 avenue de Clichy à la RIVP, et la parole est à Éric Ehlers. Oui, merci monsieur le maire. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le long développement d'Émile Meunier, qui est très intéressant et qui, chers collègues, semble exprimer la difficulté de l'atteinte des 30%, qui semble être un objectif quasi inatteignable. Là, nous, avec ce projet du 44 avenue de Clichy, nous avons un peu le parfait contre-exemple. À savoir que nous sommes dans le cadre d'une préemption, un immeuble qui a été acheté 7 millions d'euros pour une surface de 880 mètres carrés utiles, ce qui fait le prix du mètre carré quasiment à 8000 euros. Donc on est dans le marché, on est prix du marché. Habituellement, les préemptions se font avec d'importantes décotes. Vous regardez, il y a des décotes importantes sur les prix. Là, il n'y en a pas. En plus, l'immeuble, donc non seulement il est acheté en bloc, en plus il est occupé, et il est indiqué comme étant vétuste et peu entretenu, ce qui laisse augurer deux dépenses qui risquent d'être importantes pour sa remise en état. Donc là, la ville
Il semble difficile de dire qu'elle a fait une bonne affaire. Et tout ça pourquoi ? C'est pas pour créer du nouveau logement, comme vous l'avez dit, cher collègue. Créer des logements neufs à Paris, c'est quand même difficile. Il n'y a plus trop de place. En plus, nous ne souhaitons pas non plus bétonner à l'excès. Donc, si ce n'est pas pour créer du logement, pour desserrer la contrainte de la demande de logement, c'est que c'est une opération de mixité. C'est l'alternative. Or, cette mixité, elle se ferait dans un quartier qui est déjà mixte. Ce quartier de l'avenue de Clichy est un quartier assez mélangé de Paris, où on côtoie un peu toutes les couches sociales. Donc, il n'y a pas besoin de mixité dans ce quartier-là. Donc, on va dépenser 7 millions pour, en fait, pour rien. Voilà. Alors, sauf si monsieur le rapporteur nous sort de sa manche un de ses arguments dont il a parfois le secret sur une situation particulière qui justifierait cette opération, cela nous semble assez contestable. Sur ces 7 millions, la ville va en récupérer 2,6 millions de loyers capitalisés. Donc, il y a 4,4 millions qui s'évaporent dans ce tour de passe-passe, qui donne encore lieu à cette pratique que nous contestons du loyer capitalisé, qui se fait au détriment des futurs Parisiens. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette délibération. Merci. La parole est à Yann Brossa, puis Mario Gonzalez. Oui, quelques mots. J'imagine que Mario Gonzalez dira quelques mots aussi. Alors, j'essaye de comprendre. Vous dites, la ville rachète cet immeuble à 8 000 € du mètre carré. Or, c'est le prix de marché. C'est pas bien d'acheter au prix de marché. Bon, d'abord, la ville, quand elle procède à une préemption, rachète quasi systématiquement au prix de marché. Parce que si nous n'achetons pas au prix de marché, le propriétaire vendeur nous traîne devant le juge de l'expropriation et le juge de l'expropriation fixe un prix. Et ce prix, c'est le prix de marché. Et puis, votre argument, il est quand même un peu extraordinaire. Parce que soit nous achetons au prix de marché et vous nous dites que ça n'est pas une bonne affaire, soit nous achetons en dessous du prix et vous nous diriez que c'est honteux d'arnaquer ainsi le vendeur. Donc, au final, de toute façon, vous retournez systématiquement l'argument dans tous les sens pour expliquer qu'il ne faut jamais faire de logement social. En l'occurrence, nous appliquons la loi. Et la loi dit que lorsqu'on préempte, on préempte en fonction du prix de marché. Et en l'occurrence, c'est 8 000 € du mètre. Et vous nous dites que ça ne sert à rien. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Parce que vous n'envisagez jamais l'hypothèse de ce qui se serait passé si nous n'avions pas acheté. Qu'est-ce qui se passe si nous n'achetons pas ? Il y a un nouveau propriétaire. Le propriétaire qui a acheté l'immeuble, il en fait quoi ? Dans la plupart des cas, il procède à une vente à la découpe. Donc les locataires sont expulsés. Donc vous avez aujourd'hui des locataires modestes qui sont remplacés par soit des propriétaires qui auront acheté l'appartement beaucoup plus cher, soit des locataires parce qu'on aurait affaire à un propriétaire bailleur. Mais de toute façon, on aurait un remplacement des locataires. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on le fait pour rien. On le fait précisément pour préserver la mixité du quartier. Et en l'occurrence d'ailleurs, on est en zone de déficit en logement social. Donc on coche en quelque sorte toutes les cases. Mais j'insiste là-dessus. Si nous n'achetons pas, il y a bien un autre propriétaire qui achète. Et ce propriétaire qui achète, il est là pour faire de l'argent. Et par ailleurs, en l'occurrence, c'est un immeuble qui est très vétuste et nous allons faire des travaux. S'il y a un nouveau propriétaire, vous n'avez aucune garantie que les travaux seront faits. Merci. Mario Gonzalez. Vous dites que vous attendez avec hâte à chaque fois les arguments éventuellement secrets que je pourrais avoir pour justifier la posture de la ville. Moi, c'est plutôt votre argumentation qui est de plus en plus alambiquée pour justifier le fait que vous êtes archi contre le logement social à Paris. Parce que là, on atteint des niveaux, effectivement, comme l'a dit Yann, assez sophistiqués, allons-nous dire. Je ne reviens pas sur tout ce qu'a dit Yann, j'insisterai sur deux éléments très importants. Vous évoquiez justement les informations au titre de l'attribution. Je vous renvoie au rapport de la Pure, je vous renvoie à la conférence du logement, je vous renvoie au site de la ville de Paris, où vous aurez notamment une carte, et notamment sur Paris Data, qui est la carte des zones déficitaires de logements sociaux. Et cette carte est celle qui permet légalement, qui justifie notamment,
l'exercice du droit de préemption. Ce n'est pas le seul, naturellement. Et en tous les cas, c'est celui qui guide la politique de la ville en matière de préemption. Donc, quand il y a une zone déficitaire en logement social, on considère qu'il est utile, enfin c'est l'une des raisons, entre autres, d'acquérir. Ce qui ne sera pas forcément le même arbitrage si on n'en est pas en zone déficitaire. Bien. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est Yann qui l'a dit, c'est qu'on est dans un immeuble vétuste. Et l'immeuble vétuste avec des locataires en plus, parce que là, il y avait 7 logements qui sont occupés. Donc effectivement, la préemption, ce qu'elle permet, c'est aussi la réhabilitation. La réhabilitation est très souvent l'intégration des occupants dans le parc social, parce que très souvent, ils ne dépassent pas les plafonds prévus pour l'attribution de logements sociaux. Voilà, je ne reviens pas sur les autres éléments, si ce n'est que vous avez encore critiqué les loyers capitalisés, je vous renvoie au précédent compte-rendu des différents CA, la réponse est toujours la même, mais au final, toujours sur ces loyers capitalisés, là aussi, ça fait 2 ans que cette mandature a commencé, vous critiquez systématiquement les loyers capitalisés, qui est un mode de financement pour la préemption, pour l'acquisition de logements sociaux, mais vous ne proposez aucune alternative. Donc, soit vous ne réfléchissez pas aux alternatives, soit que vous n'avez pas envie de réfléchir aux alternatives possibles de financement, pour une simple et bonne raison, et j'en finirai par là, c'est que vous ne voulez pas plus de logements sociaux à Paris. Merci beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas des explications qui sortent d'un chapeau, c'est le fruit d'un travail. Et entre la mairie d'arrondissement et l'hôtel de ville, évidemment, nous discutons de l'ensemble de ces sujets, ce qui nous amène en général à proposer avec la ville de Paris des délibérations qui nous apparaissent comme sensées. On essaye d'éviter de faire des choses insensées. Et donc, si vous lisez une délibération et avez le sentiment que quelque chose d'insensé serait dedans, en général, c'est plus la lecture qui a été déficitaire que la délibération, mais ça peut toujours arriver. Et donc je mets aux voix la DLH 153 qui va nous permettre de garantir à des habitants du 18e de pouvoir rester des locataires dans leur immeuble chez eux, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La dernière délibération de notre ordre du jour concerne la lutte contre les discriminations et notamment une subvention à 28 associations au titre de la lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Elle n'a pas fait l'objet d'inscription, je la mets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est adoptée. Nous en venons donc aux questions orales et aux vœux et je veux vraiment remercier l'ensemble des groupes d'avoir été extrêmement raisonnables dans à la fois les questions et les vœux. Je vous indique que le vœu concernant l'hôpital Bichat a été retiré et donc nous avons une question orale et 3 vœux. La première question orale est relative au délai de prise de rendez-vous pour les CNI passeport. La parole est à Pierre-Yvain Arnaud. Merci beaucoup, monsieur le maire. Oui, je pense que je m'exprime au nom de très très nombreux parisiens et parisiennes qui ont beaucoup de mal depuis plusieurs mois à avoir accès à des documents d'identité. Là, je viens encore de refaire, juste avant cette intervention, un petit tour sur le site Prendre des rendez-vous. Et comme très souvent, c'est un échec que je viens de refaire là. On peut tous le faire en direct, en me lançant conseil. Je pense que même les gens qui nous regarderont dans quelques heures, quelques jours, quelques années, enfin j'espère pas, quelques mois, iront sur le même site et eux aussi seront en échec. Nous avons une situation d'engorgement qui ne permet plus à beaucoup de Parisiens d'avoir tout simplement accès à un droit basique, c'est-à-dire accès à des papiers d'identité ou passeport ou carte d'identité. Alors il y a une situation Covid qui a été très claire, nous avons absorbé beaucoup de documents en retard, des agents effectivement qui eux-mêmes sont débordés, donc il n'est bien sûr pas du tout question de remettre en cause le travail des agents qui sont extrêmement dévoués à la tâche, mais leur faible nombre. L'État doit mettre plus de moyens dans cette mission essentielle. Et donc la question qu'on pose effectivement, là vraiment en tant qu'habitant du 18e arrondissement et parisien, c'est combien de rendez-vous supplémentaires ont pu être accordés dans le 18e arrondissement, combien y a-t-il d'attentes et quels sont les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre, les moyens supplémentaires pour mettre en œuvre, pour enfin ne pas mettre plusieurs mois pour avoir accès à des papiers d'identité, passeport et carte d'identité. Et je dis juste au passage, ce vœu, il est aussi en lien avec une autre demande qu'on a plusieurs fois faite dans le 18e arrondissement, qui est liée aux documents pour les personnes étrangères. Je rappelle aussi qu'avoir accès à des papiers pour les étrangers est un véritable calvaire, puisque les rendez-vous en préfecture manquent toujours actuellement, et que donc il nous semble important que pour les citoyens et pour les étrangers, avoir accès à des papiers, c'est le même droit. Et donc là aussi, nous interpellons à nouveau la préfecture sur ce manque de rendez-vous pour les étrangers. Merci. Sarah Proust.
Merci Monsieur le maire, merci Pierre-Yves pour cette question qui effectivement interroge beaucoup de nos concitoyens. Alors vous évoquiez la question parisienne, mais au fond c'est intéressant aussi de voir la situation parisienne au regard de la situation nationale, puisque effectivement c'est un sujet qui impacte l'ensemble du territoire national. Alors pour vous faire quelques éléments de réponse précis sur le 18e arrondissement pour commencer, ce sont 4 agents supplémentaires qui ont été recrutés et un dispositif de recueil supplémentaire qui a été installé en début d'année. Ce qui porte le nombre de dispositifs à 12. Alors, les dispositifs, c'est ce que l'État a mis à disposition des collectivités, enfin des mairies, pour recueillir l'ensemble des demandes qui sont faites. Sauf qu'un dispositif de recueil, comme on l'appelle, c'est simplement un ordinateur. Et pour que les demandes puissent être absorbées par l'État civil, il faut derrière un ordinateur ou devant un ordinateur mettre des agents qui soient capables de travailler et de pas seulement mettre les dispositifs. Et ça, bien évidemment, c'était à la charge des villes, des communes. Et donc c'est ce que nous avons fait dans le 18e avec ces 4 agents supplémentaires. Et à l'échelle de Paris, c'est 66 agents supplémentaires qui ont été recrutés depuis le début de l'année 2022. Il se trouve que dans le 18e arrondissement, les locaux du service de titre ne permettent pas d'accueillir davantage de guichets, puisqu'il faut effectivement pouvoir à la fois recueillir les demandes sur l'ordinateur, mais aussi pouvoir accueillir les gens au guichet. Et donc sur ce début d'année, on a fait un travail d'accompagnement des agents du 18e arrondissement aussi, qui présentent des fragilités, ce qui a permis de réduire encore le taux d'absentéisme et d'augmenter en conséquence le nombre de rendez-vous délivrés. Donc vous voyez qu'on travaille à la fois sur les outils numériques, sur le nombre d'agents pour accueillir, mais aussi sur les agents qui accueillent. Le service du titre du 18e ouvre désormais toute la journée, un samedi par mois depuis le mois d'avril, ce qui a permis d'instruire à chaque fois, donc sur chaque samedi mensuel, 200 demandes supplémentaires depuis que nous l'avons ouvert. Autre outil, les heures supplémentaires ont été déplafonnées pour les agents des services des titres volontaires. Et donc, c'est toutes les tâches un peu de back-office qui sont maintenant réalisées en fin de journée, ce qui permet d'augmenter le nombre de rendez-vous pris sur la journée. L'ensemble de tous ces moyens ont permis d'augmenter le nombre de rendez-vous de 25 000 par mois en janvier à 45 000 par mois en avril sur tout Paris. Et dans le 18e, le nombre d'usagers qui est accueilli est passé de 800 par semaine en janvier à 1800 par semaine en juin. Je tiens à ce moment de ces éléments saluer le travail des agents du service TIC du 18e arrondissement qui abattent un travail absolument considérable. Et donc je pense qu'on peut, avant de continuer l'ensemble de ces éléments, avoir vraiment des remerciements très forts pour le travail qu'ils font, parce que c'est une charge de travail supplémentaire, c'est des outils qui ont changé, c'est des formations qui ont changé. Donc le service et les agents du service font tout avec un engagement absolument remarquable pour essayer d'écluser le nombre de dossiers qui arrivent. Donc l'ensemble de le nombre de dossiers qui est instruit par ces agents a été multiplié par 2,5 entre janvier et mai 2022. Donc vous voyez quand même que c'est sur des périodes extrêmement courtes que les agents du service titre changent de manière de travailler et absorbent de plus en plus de monde, passant donc de 1700 en janvier à 4300 en mai. De 1700 à 4300 sur 5 mois. Cette augmentation dans le 18e est aussi plus importante que la moyenne parisienne, qui elle-même est plus importante que la moyenne nationale, puisqu'on attend moins à Paris que sur le territoire national. Quelques éléments pour finir sur le délai moyen, puisque vous évoquiez aussi cette question. Donc la création ou le renouvellement d'une carte d'identité ou d'un passeport, c'est une démarche qui est déterritorialisée aujourd'hui. Hein. Chaque usager peut évidemment se rendre dans n'importe quel service titre à Paris ou d'une autre commune. Le délai moyen de rendez-vous à Paris est actuellement de 56 jours. Et c'est donc un peu plus court que d'autres communes qui aujourd'hui donnent des rendez-vous au mois d'octobre. C'est-à-dire que nous, on est en capacité d'être un peu moins de ce délai-là. Et à partir de la date de rendez-vous, c'est effectivement 3 à 4 semaines, ce qui est assez performant puisque c'est plus de 8 semaines dans d'autres villes. Dernier élément, le délai d'attente pour un rendez-vous varie évidemment beaucoup de la situation en fonction de la situation de l'usager. Donc il y a 2 dispositifs qui ont été mis en place. Le premier, c'est des rendez-vous sous 48 heures pour les situations prioritaires. Donc on parle là de déplacements pour des motifs de décès familiaux par exemple ou de déplacements professionnels urgents. Et aussi un service de facilitation numérique qui accompagne les personnes qui sont en fracture numérique et qui ont besoin de cet outil de la prise de rendez-vous sur la plateforme. Pour le préciser et conclure,
825 prestations d'accompagnement à la prise de rendez-vous ont été délivrées par le service de facilitation numérique depuis janvier et 505 depuis le 1er avril. Donc les délais restent longs et trop longs, mais vous avez vu que l'ensemble des outils ont été mobilisés dans le 18e, à la fois pour le recrutement d'agents, pour la formation du service de recueil supplémentaire, aussi d'adaptation des délais en fonction de la situation des demandeurs. Et donc nous espérons continuer à réduire ce rythme. Ceci dit, sans agents en permanence, donnés aussi par l'État et sans moyens par l'État, nous n'arriverons pas à réduire drastiquement ces délais-là. Je vous remercie. D'autant qu'à ce délai s'ajoute celui de la fabrication des titres qui relève évidemment exclusivement de l'État et qui ne simplifie pas les choses. Est-ce que Pierre-Yves Arnaud souhaite rajouter un mot? Sinon, non. Merci beaucoup et je m'associe bien sûr aux remerciements faits par Sarah Proust et par Pierre-Yves Arnaud pour nos agents des CNI Passport qui font un travail exceptionnel, ça a été dit, dans des conditions compliquées. Et donc je profite de ce conseil d'arrondissement, un, pour les remercier, deux, pour rappeler à quelques très minoritaires usagers que quand on s'adresse aux agents du service public, on parle poliment et qu'en général, ils sont plus les victimes des contraintes que la cause des mêmes contraintes. Mais très heureusement, l'immense majorité des usagers du service CNI Passport en ont bien conscience et leur en sont très reconnaissants. On en arrive aux trois vœux que nous avons à étudier. Le premier a été déposé par le groupe indépendant et progressiste et il concerne la création d'une banque ressources d'assesseurs. La parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. Donc, nous avons tous constaté qu'il y a de plus en plus de difficultés pour recruter des assesseurs lors des élections. Or, nous savons tous que tenir un bureau de vote, président et assesseur, c'est un des éléments essentiels de la démocratie, surtout, je le rappelle, qu'il s'agit de personnes bénévoles. Donc, devant cette difficulté, avec Pierre et Bournazel, nous avons essayé de trouver une solution. Et cette solution serait la création d'une banque ressources pour assesseurs. Nous proposons donc cette banque ressources de citoyennes et de citoyens candidats à assurer le rôle d'assesseur. Que cette banque ressources soit constituée par appel à candidature dans un délai à déterminer, bien entendu, bien en amont des élections, et cette banque ressources pourrait servir à plusieurs élections, bien entendu. Que les personnes volontaires à alimenter cette banque ressources soient sollicitées à chaque élection locale ou nationale, et bien entendu, que la non-inscription dans cette banque ressources n'invalide pas les candidatures spontanées et nouvelles pour chaque élection. Voilà l'idée que nous avons eue. Je voudrais dire que j'ai remarqué sur certains sites de communes de plein exercice, il y a des appels à candidater pour être assesseur. Je crois que l'on pourrait également s'en inspirer parce qu'on voit bien que là, aux dernières élections, enfin c'est un constat général, il y a peu de monde encore candidat pour être assesseur. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup pour cette proposition. Je vais laisser Sarah Proust vous donner quelques éléments de réponse et une proposition de vote. Je voulais du coup profiter de l'occasion qui me donne. D'ailleurs, j'aurais dû le faire en début de conseil d'arrondissement pour saluer et remercier les présidentes et les présidents de bureaux de vote qui sont dans le 18e tous des bénévoles, comme le sont les assesseurs nommés par les partis ou volontaires, comme vous l'avez évoqué. Je veux saluer les élus qui ont présidé des bureaux de vote, vous dire que nous avons le plus fort taux parisien d'élus présidents des bureaux de vote, ce qui est une forme de fierté, ce qui veut dire que les élus du 18e sont comparativement un peu plus mobilisés que les autres pour veiller au bon déroulement du scrutin, mais saluer aussi l'ensemble des présidentes et présidents qui acceptent cette fonction, souvent des responsables associatifs ou des personnalités connues dans l'arrondissement, pour leur rigueur et leur capacité à présider. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de les recevoir comme de tradition à la mairie vendredi prochain, je crois, pour les remercier et les saluer et les inciter à être à nouveau présidente ou président du bureau de vote au prochain scrutin qui ne va pas, peut-être pas arriver tout de suite, encore qu'on n'en sait rien, et qui va nous obliger à nous mobiliser. Et je laisse tout de suite la parole à Sarah Proust.
Merci, monsieur le maire. Alors, c'est vrai qu'après un tunnel de 4 dimanches sur 8 semaines, la question des assesseurs s'est posée de manière de plus en plus importante. Et d'ailleurs, à chaque tour, à chaque dimanche, on a compris que la question des assesseurs dans l'arrondissement était un sujet important. Alors, quelques éléments pour vous répondre. D'abord, que dit la loi ? Le code électoral et notamment son article 44 confie aux candidats le soin de désigner les assesseurs. Et soyons clairs, avant, il y a quelques années, les partis politiques se précipitaient pour envoyer des assesseurs sur les différents bureaux de vote, ce qui, d'année en année, est de moins en moins le cas, et ce qui pose du coup la question de la place des assesseurs. Alors, depuis toujours, la mairie fait appel à des citoyens engagés pour être citoyens, assesseurs citoyens, puisque, comme vous le savez, il y a plusieurs typologies d'assesseurs pour les élections. Et ils sont, dans l'arrondissement, une douzaine à être assesseurs de manière régulière à chaque scrutin, si bien que cette année, particulièrement au deuxième tour des législatives, qui était donc un peu notre quatrième tour, où les élus ont été de moins en moins nombreux, parce que non seulement les partis politiques envoient moins de gens, mais plus les tours passent et moins les uns et les autres gagnent des élections, moins ils envoient aussi d'assesseurs, ce qui est un peu le paradoxe. Vous parliez de la question de la démocratie, monsieur Honoré, vous avez raison, mais on devrait pouvoir tenir un bureau de vote même quand on perd une élection, et ça vaut pour tout le monde, mais on l'a beaucoup constaté, je ne parle pas que du 18e, mais de l'ensemble des bureaux de vote à Paris et ailleurs. Et donc, nous avons dû même voir des présidents devenir, enfin, des assesseurs citoyens devenir présidents. Et donc, voilà, donc ça, c'est le premier sujet. Ce que vous évoquez comme la banque d'assesseurs, au fond, le terme importe peu, mais c'est quelque chose qui en fait, est mené par la ville. Alors, on pourra tout à fait réfléchir à d'autres modalités d'appel à candidature, mais cette année, la ville a mobilisé les volontaires de Paris et l'ensemble des titulaires de la carte citoyenne. 9 000, je dis bien 9 000 personnes ont été sollicitées pour le 18e arrondissement. Sur ces 9 000, il y en a 70 qui ont manifesté un intérêt, a priori, je veux bien être assesseur. Donc sur les 9 000, il y en a 70 qui ont rappelé la mairie en disant « ok ». Et sur ces 70, quand Juliette et on a pris contact avec eux pour expliquer que c'était un engagement, que c'était plusieurs dimanches, que ça commençait tôt et que ça finissait tard et que par ailleurs il y avait une formation à suivre. Donc sur ces 70, 9 000, 70, eh bien il y en a 33 qui ont effectivement été assesseurs au moins sur un des quatre tours, même pas les quatre tours, sur au moins des quatre tours. Et cette année, il y a certains assesseurs politiques habituels qui ont d'ailleurs décidé de ne plus être assesseurs politiques, mais d'être assesseurs citoyens. Alors évidemment, ça brouille un tout petit peu les cartes, évidemment, mais surtout la comptabilisation que l'on peut faire sur qui est quoi avec cette différence de typologie. Dernier élément et conclusion, pourquoi cette solution de banque ne peut pas complètement se substituer à la désignation des assesseurs par les candidats, puisqu'au fond, vous l'évoquiez, il y a quand même un rôle qu'il faut tenir, le rôle politique que les partis doivent continuer à tenir. On le sait aussi parce que dans nos partis politiques, on a vu combien nous étions en capacité aussi de former les partis politiques permettaient aussi cette formation-là. On voit que c'est très difficile de mobiliser les citoyens. Hein, on le voit de 9 000 à arriver sur 33, on voit que c'est long et difficile. Et on est du coup contraint de positionner des agents assesseurs qui tiennent le rôle que devraient tenir à la fois des citoyens et les responsables, en tout cas les gens nommés par les partis politiques. Et donc on a aussi perdu, il faut le dire, je pense que c'est important qu'on le sache, on a aussi perdu quelques assesseurs citoyens, ne comprenant pas pourquoi certains étaient rémunérés, et c'est bien normal que les agents soient rémunérés, et ça il faut absolument évidemment tenir ça, mais si on les prend, si on les positionne sur les bureaux de vote, c'est parce qu'en fait les bureaux de vote sont vides. Et ils sont vides aussi parce que certaines listes envoient leur liste d'assesseurs très tard. Si on envoie une liste d'assesseurs le vendredi, c'est sûr que les services de la ville ont déjà positionné, enfin les services du 18e arrondissement ont déjà positionné des assesseurs agents pour être sûr que le dimanche matin, les bureaux de vote ouvrent. Donc on voit bien qu'il y a toute une mécanique qui se met en place. Et pour être très clair, on considère que le transfert de charges entre des partis vers les agents, vers les services municipaux, n'est pas tout à fait une bonne chose, ni pour les services de la ville, ni pour les agents, et qu'il va falloir qu'on travaille ensemble, parce que c'est une charge de travail très conséquente, à remobiliser dans les partis, à reformer, parce qu'une fois que vendredi les agents sont positionnés, ils ne sont pas tous formés à l'exercice, donc c'est aussi un travail qui est demandé à la Direction Générale des Services de former en un week-end un bataillon de gens. Donc au fond, on est d'accord avec votre vœu, dans le sens où on est d'accord pour travailler sur une mobilisation différente.
voilà, on verra si on appelle ça banque ensemble, mais en tout cas, nous vous rejoignons complètement sur l'idée qu'on doit tenir sa place et tenir son rôle aussi quand on est assesseur politique pour assurer le fait que l'ensemble des bureaux de vote soit couvert pour le bien à la fois de l'exercice démocratique, mais aussi pour les services municipaux. Je vous remercie. Merci pour ces éléments. Je crois que Frédéric Badinet-Serpette va faire une explication de vote. Je voudrais ajouter un mot à ce qu'a très bien dit Sarah. Le rôle central des assesseurs, c'est aussi de garantir la sincérité du scrutin. Et au fond, si le maire nomme les présidents, s'il nomme les agents, et si les agents deviennent des assesseurs, alors il n'y a plus que des personnes nommées par le maire dans les bureaux de vote. Ce qui pourrait me convenir éventuellement, mais ce qui ne correspond pas totalement à la garantie de sincérité du scrutin qu'on attend. Et on a vu, y compris dans de grandes démocraties anciennes, d'abord, on a vu la résilience de notre système d'élection, hein, puisque personne ne conteste le résultat de nos élections. Ce n'est pas le cas dans une grande démocratie de l'autre côté de l'Atlantique qui vote beaucoup en électronique. Nous, on a un mode d'élection, un mode de vote qui est extrêmement ancien, qui est très lourd à monter, mais enfin qui nous garantit que personne ne conteste réellement, sauf dans tel bureau ou dans tel bureau, les résultats. Mais nous, on est capable d'assurer aux Françaises et aux Français le fait que leur voix sera effectivement comptée et bien comptée, et on n'est pas soumis aux aléas politiques. Aucun parti politique n'imaginerait venir contester le déroulement physique et concret de nos élections. Et donc ça repose beaucoup sur les partis. C'est vrai qu'on constate, et le résultat notamment de l'élection présidentielle démontre, qu'une très grande partie des électeurs de notre pays se sont tournés vers des mouvements politiques qui n'étaient pas vraiment des partis au sens traditionnel du terme, donc qui ont conséquemment fourni un nombre extrêmement faible d'assesseurs dans beaucoup d'endroits et notamment dans le 18e, d'où la nécessité de continuer à travailler à la nomination d'assesseurs citoyens. Mais il faut aussi garantir l'indépendance du bureau de vote. Et l'indépendance du bureau de vote, c'est bien sûr celle de son président ou de sa présidente, qui est garantie parce que c'est une personnalité reconnue par tous dans l'arrondissement. C'est aussi lié à la diversité politique des assesseurs qui l'entourent et qui, au fond, le contrôlent. Et donc, le fait de rémunérer pour l'ensemble de ses fonctions m'apparaît comme dangereux, non pas parce qu'on serait poussé les uns et les autres à tricher, mais parce qu'on supprimerait la certitude qu'il est impossible de le faire. Et donc, je crois qu'il revient vraiment aux partis politiques de se mobiliser pour que dans 2 ans maintenant, on se retrouve avec moins cette difficulté. Au fond, si on veut être sûr du résultat de tel ou tel bureau, il faut être dedans du matin au soir pour s'assurer que personne ne triche. Frédéric Badinet-Serpette. Ouais, merci, monsieur le maire. Merci pour ce vœu qui est utile parce que ça nous permet de remettre le sujet sur la table, même si on a commencé à le faire comme Sarah l'expliquait. Néanmoins, le fait est grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même, nous, partis politiques, encore beaucoup de mal à mobiliser pour tenir les bureaux de vote, et il ne faudrait pas qu'on considère que c'est plus facile d'aller chercher des assesseurs citoyens pour pallier le fait que nous n'arrivions nous-mêmes pas à mobiliser les bonnes ressources pour tenir ces bureaux de vote, et le maire l'a rappelé, tenir ces bureaux de vote en toute impartialité, et veiller à ce qu'on puisse faire en sorte que les opérations de vote se déroulent le mieux possible. Donc gardons quand même à l'esprit le sérieux de la mission, et rappelons-nous à quel point il faut absolument que pour le prochain scrutin, on arrive à inverser la tendance, non seulement pour éviter qu'il y ait des assesseurs rémunérés, évidemment, mais aussi parce que pour les services, faire remonter les noms tardivement, et on en sait quelque chose avec Juliette, à quel point sur les derniers jours, c'est toujours extrêmement compliqué de couvrir ces bureaux de vote. Il faut vraiment que tous ensemble, tous nos partis politiques, on arrive à faire le job. La crise de l'engagement, elle est là, mais je pense que si on veut résoudre une partie de la crise d'engagement, c'est peut-être aussi en expliquant à nos militants que revenir à la démocratie, c'est peut-être aussi tenir les bureaux de vote et voir comment ça se passe de tenir ces bureaux et de venir organiser et faire en sorte que le vote se déroule correctement, le lien avec les habitantes et les habitants, et faire en sorte aussi au final que le dépouillement se passe comme il faut. Donc les écologistes, on votera bien entendu votre vœu, mais même si voilà, on considère quand même aujourd'hui que cette mission, elle est d'abord et en premier lieu dévolue à nos partis politiques, et qu'il faut peut-être qu'on arrive à se remettre un petit peu en question sur ça. Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix ce vœu. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. On en vient à un vœu qui a été déposé par les groupes de la majorité qui concerne la modification des arrêts et des lignes des bus 38 et 252 pour nous permettre d'avancer sereinement sur le grand projet de la Porte de la Chapelle. La parole est à Antoine Dupont. Merci Monsieur le Maire. Effectivement, comme vous venez de l'évoquer, la Porte de la Chapelle est en train de vivre une transformation nécessaire et majeure. On a deux équipements, deux infrastructures importantes qui arrivent, que sont l'Arena et le campus Condorcet. Le campus Condorcet, c'est près de 3000 étudiants qui vont être accueillis. Et l'Arena, c'est jusqu'à 9000 personnes trois fois par semaine. Dans ce cadre-là, il est nécessaire d'adapter également l'infrastructure bus. Concernant la ligne 38, aujourd'hui, on a un retournement qui se fait au niveau de la rue du Pré et on a une gare routière qui est située au même endroit, qui engendre beaucoup de mésusages et de congestion. Et donc, ce qu'on demande, c'est que soit déplacé le terminus de bus plutôt au nord, donc au niveau de l'impasse Marteau, en dessous du boulevard périphérique, pour évoluer aussi avec cette nouvelle aménagement de la Porte de la Chapelle. Et concernant le bus 252, aujourd'hui, qui a son terminus Porte de la Chapelle, la fin de l'itinéraire du bus passe par le réseau autoroutier. Or, aujourd'hui, une réglementation vient changer la donne, puisqu'il est demandé à ce que l'ensemble des usagers de bus qui empruntent l'autoroute utilisent une ceinture de sécurité. Donc ça amènerait la nécessité soit de changer l'ensemble du parc de véhicules, soit effectivement de modifier l'itinéraire. Et c'est ce qui est en cours d'étude par Île-de-France Mobilité. Et donc ce qu'on demande dans le cadre de ce vœu, c'est que le déplacement la modification par exemple, de l'itinéraire en lien avec Pleine Commune soit fait avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Voilà les deux demandes qui ont attrait à ce vœu. Je vous en remercie. Merci beaucoup. C'est un sujet très important pour nous et pour les habitants du 18e. On travaille bien sûr déjà avec l'autorité organisatrice. Enfin, il nous a semblé qu'il était indispensable de rappeler et de faire en sorte que ce rappel politique soit fait maintenant pour nous assurer que les bonnes décisions sont prises maintenant dans des délais assez brefs. Il serait quand même triste que le grand projet de la Porte de la Chapelle soit amoindri par l'impossibilité de déplacer ces deux structures importantes. Et nous pensons par ailleurs que ce déplacement va améliorer les conditions de travail des agents de la RATP qui sont quand même aujourd'hui dans une situation compliquée là où ils sont installés et qui, en tout cas pour ce qui est des agents, hein, je ne sais pas ce qu'il en est de la direction, mais en tout cas pour ce qui est des agents, considèrent qu'ils seraient d'une certaine façon plus dans un petit coco, enfin un peu à l'abri s'ils étaient vraiment déplacés. Est-ce que sur ce vœu il y a des explications de vote? S'il n'y en a pas, je le soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté, je vous en remercie. Enfin, nous en venons à un vœu qui vise à nous permettre d'expérimenter de manière encadrée des barbecues dans des espaces dédiés. La parole est à Manal Kalouk. Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à tous et à toutes. Considérant que malgré les interdictions en vigueur, des barbecues sauvages, illégaux, ont lieu des nombreux dans l'espace vert et public dans l'arrondissement, notamment l'été. Considérant que ces barbecues sauvages peuvent donner lieu à des réunions dans l'espace public jusqu'à des heures tardives, causant des nuisances sonores et offuscatives pour les riverains y vivant à proximité. Considérant que l'insécurité qui peut engendrer ces barbecues illégaux pour les usagers et riverains ou passants risque des brûlures, d'incendie. Considérant que les résidents et les différents quartiers concernés ont manifesté à de nombreuses reprises leur mécontentement et leur sollicitant régulièrement les élus de l'arrondissement, dans le cadre de animation locale. Considérant que dans le cadre d'expérimentation encadrée, les pratiques seraient autorisées dans des espaces dédiés et strictement réglementaires. Nous avons pu voir ça avec plusieurs associations qui se portent garantes, en tout cas qui se portent pour le projet, Grajar, Oasis, La Pelcha, plusieurs associations dans le 18e. Considérant que ces lieux semblent propices à une première expérimentation, comme le parc Chapelle Charbon, le Maï Béliard, le Square Léon, Square Jeanne Vial et Square Carpeau. Considérant que ces barbecues autorisés seraient soumis à une réglementation stricte,
interdiction des feux au sol, ainsi que des barbecues à gaz et des groupes électrogènes, obligation de surélévation avec des grilles à plus de 50 cm du sol, échauffées au charbon de bois, cendres devraient être déposées dans des bacs prévus à cet effet. D'ailleurs, une étude est en cours avec les services de propreté. Considérant que ces expérimentations de barbecue encadrées ont déjà été mises en place dans d'autres villes, comme Nantes, Cergy-Pontoise, Varennes-sur-Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines et plein d'autres villes. Considérant que les barbecues sont identifiés comme des moments forts et de convivialité, favorisant le lien social et l'animation dans l'arrondissement. Considérant que ces barbecues autorisés permettent aux gens les plus précaires ne pouvant pas partir en vacances ou en week-end durant l'été pour bénéficier d'un espace et d'un moment de convivialité. Considérant que ces expérimentations encadrées seraient l'occasion de sensibiliser les citoyens et citoyennes à une alimentation plus équilibrée et durable, notamment la surconsommation de viande. Les élus du groupe écologiste et citoyens du 18e arrondissement demandent au maire et aux autres élus de l'arrondissement d'adapter le règlement concernant les barbecues dans l'espace public et les espaces verts afin de mettre en place une expérimentation de barbecue encadrée avec des espaces dédiés et des créneaux horaires bien définis. Parallèlement, une attention particulière sera donnée avec le soutien d'autres associations et de programmes comme Paris Santé Nutrition à la sensibilisation des familles à l'utilisation des produits alternatifs à la viande végétarienne et des préférences bio et locaux. J'en profite également, pendant que j'ai la parole, toujours dans le cadre de sensibilisation, action de sensibilisation, qu'avec tous mes collègues, nous avons mis en place une semaine de sensibilisation aux feux d'artifice et aux mortiers. Donc la première semaine de juillet, donc le 4, le 5 et le 6, nous accueillons les jeunes de l'arrondissement en mairie avec des professionnels, des artificiers, des pompiers, des policiers et tous les autres corps du métier. Donc à faire 3 jours de sensibilisation avec ces jeunes-là qui seront de tous les quartiers de l'arrondissement et ils vont co-construire et participer au feu d'artifice qui aura lieu le 16 juillet à Chapelle Charbon, donc vous êtes tous conviés. Et c'est les jeunes du 18e qui vous convient à leur feu d'artifice. Merci. Merci beaucoup. J'ai deux explications de vote pour le moment, Gilles Ménède et Gérald Briand. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et on passe au vote. Gilles Ménède. Oui, merci Monsieur le maire, cher Manal. Effectivement, l'organisation des barbecues sur l'espace public ou dans l'espace vert est un vrai sujet qui peut intéresser beaucoup de jeunes et pour l'animation locale, c'est très important. Alors, vous le savez bien sûr, mes chers collègues, aujourd'hui, effectivement, l'organisation des barbecues dans les parcs et jardins est interdite si l'on s'en tient au règlement des parcs et jardins. Il interdit effectivement tous les barbecues autres feux, mais il permet également les pique-niques à condition que la propreté des lieux soit respectée. J'en profite aussi pour rappeler quelques éléments donc, sur ce règlement des parcs et jardins. Donc, en cas de pique-nique de plus de 30 personnes, la demande est soumise à autorisation. Et il permet aussi, ce règlement des parcs et jardins, l'organisation de tout événement à caractère culturel, sportif, associatif. Donc, concernant l'animation locale, cher Manal, je veux saluer ici aussi les actions de la ville, en particulier, par exemple, avec ma collègue Violaine Trajan, sur les concerts de kiosques en fait qui ont commencé depuis le mois de mai et qui se redérouleront jusqu'au mois d'octobre je crois, et puis également les cours de Paris Sport Dimanche avec mon collègue Mam Siafa. Donc toute demande d'événement à organiser dans un parc et jardin et comme toute demande d'événement sur l'espace public à adresser à l'adresse email événement au pluriel @paris.fr et ensuite la demande est instruite par les différents services, notamment l'ADEV pour ce qui me concerne, que je remercie de leur engagement pour mener à bien tous les projets d'animation dans l'espace vert, et il y en a beaucoup.
Alors je reviens sur le règlement des parcs et jardins parce qu'effectivement il a été mis à jour fin 2018 et nous en avons déjà parlé, cher Manal, nous allons travailler avec le cabinet de Trissop-Najewski et tous les services concernés à une adaptation de ce règlement pour intégrer de nouvelles possibilités comme l'expérimentation de barbecue encadrée avec des espaces dédiés, des créneaux bien définis et surtout, mais on travaille ensemble déjà sur ce sujet avec des associations porteuses de cet événement. Comptez sur nous, en tout cas, comptez sur moi pour porter auprès de Christophe Najewski la nécessité de la modification, de l'adaptation de ce règlement des parcs et jardins, qui malheureusement à ce jour, je n'ai pas connaissance qu'il soit d'actualité. D'où l'intérêt effectivement de votre vue. Pour conclure simplement, nous sommes favorables à l'organisation de ces barbecues dans les conditions que vous avez citées, c'est-à-dire bien encadrées, soit dans les espaces verts, soit sur l'espace public. Nous y travaillons ensemble depuis quelques temps, faisons en sorte que cette expérimentation puisse avoir lieu dans les meilleurs délais, dans tous ces espaces dédiés, avec les associations, comme ce que vous avez cité, comme le Grajar et les associations de prévention jeunesse. Donc, par conséquent, nous voterons ce vœu en faisant en sorte que ce soit réalisé dans les plus brefs délais avec le meilleur encadrement possible. Merci beaucoup, Gérald Briand. Merci, monsieur le maire. Donc, les apéroussels valident ce vœu. Et au-delà de la blague, évidemment, c'est aussi pour dire que c'est assez important de pouvoir essayer, dans des contraintes qui sont celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire des contraintes climatiques, de pouvoir faire que des activités populaires qui répondent à des besoins puissent être encadrées. Et donc, c'est une bonne démarche. Évidemment, nous y associons. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix le vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, abstention, oui, enfin, unanimité moins l'abstention des élus LR. Ah, vous avez voté contre. Ah, pardon, excusez-moi. Mais, pas d'apéro-sel, voilà. J'espérais vous voir au barbecue, mais... Ah ben, bon. Tu les verras quand même. Hein. Je les verrai quand même. Ma raison de plus pour voter pour. Du coup, vous faites pas de barbecue cet été non plus. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne fin de soirée.